Agatha Christie, Destination inconnue. Assis derrière son bureau, l'homme déplaça un lourd presse-papier en verre sur la droite. Il avait ce teint pâle qu'ont les gens qui passent la majeure partie de leur journée loin de la lumière du jour, enfermés dans leur bureau, au milieu de piles de dossiers. Il ne paraissait ni jeune ni vieux, mais ses yeux reflétaient une immense fatigue. L'autre individu, brun avec une petite moustache, était plus âgé et dégageait beaucoup d'énergie. Ne tenant pas en place, il faisait les 100 pas dans la pièce. « Des rapports » explosa-t-il. « Encore et toujours des rapports dont on ne peut rien tirer !» L'homme assis derrière le bureau riva les yeux sur les documents disposés devant lui. Au sommet de la pile se trouvait une fiche cartonnée avec pour en tête Bettleton Thomas Charles. Ils sont tous vides ? Son interlocuteur haussa les épaules. Comment en être sûr ? Il marqua une pause avant de reprendre. On l'a vu à Rome, en Touraine, sur la Côte d'Azur. Il a été aperçu à Anvers, identifié à Oslo, vu à Biarritz, observé sur la plage d'Ostende avec une blonde pulpeuse. Et après ça, quoi ? On va le retrouver dans un zoo, un bras enroulé autour d'un zèbre ? Je vois. Vous n'avez pas une petite préférence, Wharton ? Personnellement, je mettrais de gros espoirs sur Anvers. Le colonel Wharton se laissa tomber sur une chaise abruptement. « Nous devons trouver, » annonça-t-il. « On ne peut pas se permettre de perdre de brillants scientifiques sans avoir la moindre idée de la manière dont ils sont partis, de la raison d'un tel geste et de l'endroit où ils se sont rendus. Je suppose que vous avez lu tout ce qui nous est parvenu des États-Unis au sujet de Bettleton. » L'homme derrière le bureau acquiesça. Il a eu autrefois des idées de gauche au moment où c'était très populaire, mais ça n'a pas duré. Son travail avant la guerre était assez bon, bien que rien de spectaculaire. Lorsque Mannheim s'est enfui aux États-Unis, Bettleton lui a été assigné en tant qu'assistant et il a fini par épouser sa fille. Après le décès de Mannheim, il a poursuivi ses travaux seul et a obtenu des résultats remarquables. La découverte révolutionnaire de la fission Z2 a fait de lui un homme célèbre. Tout le prédisposait à une carrière brillante là-bas, mais la mort de sa femme, peu après leur mariage, l'a anéanti. Il est donc rentré en Angleterre et il travaillait à Howell depuis un an et demi. Il s'est remarié il y a quelque temps. Rien à tirer de ce côté-là ? Demanda Wharton sèchement. Non, elle est la fille d'un avocat. Et nous n'avons découvert aucune affinité politique. La fission Z2, encore une histoire de bombe atomique, dit Wharton avec dégoût. Que raconte-t-on à son sujet à Howell ? Que c'était un homme agréable. Et en ce qui concerne son travail, rien d'extraordinaire, seulement des variations de la FZ2. Les deux hommes demeurèrent silencieux un moment. Les rapports de sécurité jonchaient le bureau et n'avaient rien d'intéressant à révéler. Lorsqu'il est arrivé, son dossier a été passé au crible, poursuivit Wharton. Ça leur met le moral à zéro, vous savez. Le sentiment d'être constamment observé au microscope. J'ai vu beaucoup de cas. Ils commencent par rêver d'un monde idéal, la liberté, la fraternité. On ne fait pas de secret et on est fier du travail accompli pour le bien de l'humanité. C'est à ce moment-là que quelqu'un voit une opportunité et la saisit. Personne n'est plus facile à duper qu'un scientifique, conclut-il en se frottant le nez. L'autre homme esquissa un sourire là. Oui, approuva-t-il, il croit savoir. C'est toujours dangereux. Nous sommes différents, humbles, conscients que nous n'allons pas sauver le monde. Nous nous contentons d'arrêter ceux qui cherchent à semer la pagaille.
il tapota sur la table d'un air songeur. « Si seulement j'en savais un peu plus sur Betterton, soupira-t-il. Ce qui le faisait rire, qui l'admirait, qui le rendait fou. » Wharton jeta un regard vers lui. « Sa femme ne pourrait pas nous aider ?» L'autre haussa les épaules. « Jusqu'à présent, elle ne l'a pas fait. Elle prétend ne rien savoir. Que la vie de son mari était on ne peut plus normale, sans aucun stress d'aucune sorte. D'après elle, il aurait été kidnappé. » Et vous ne la croyez pas ? Le problème avec moi, répondit-il amèrement, c'est que je ne crois jamais personne. À quoi ressemble-t-elle, s'enquit Wharton ? Une femme, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Wharton hocha la tête. Ça rend les choses encore plus difficiles. Elle attend dans la pièce à côté. Nous allons tout reprendre depuis le début, encore une fois. C'est la seule façon, dit Wharton. Bien, Jessop, je ne vous retarde pas dans ce cas. Il se leva, le salua d'un signe de la tête et sortit de la pièce. Jessop se saisit du téléphone. « Faites entrer Mrs. Betterton, » demanda-t-il. Celle-ci fut introduite dans le bureau. Elle était grande, avait environ 27 ans, une magnifique chevelure rousse, des yeux bleu-vert, des cils très fins et ne portait aucun maquillage. Ce dernier détail attira l'attention de Jessop un instant. D'après son expérience, les femmes en proie à une grande tristesse ne négligeaient pas leur maquillage. Consciente des ravages faits à leur apparence, elle faisait tout au contraire pour les dissimuler. Mrs. Betterton s'était, elle, sciemment abstenue de se maquiller par calcul pour rendre plus crédible son rôle d'épouse distraite. « Je suis désolé d'avoir dû vous faire venir jusqu'ici, » commença-t-il d'une voix douce. « Je crains de ne pas avoir de nouvelles très précises à vous annoncer. »« Je sais, » s'empressa de répondre Olive Betterton. « Vous l'avez mentionné dans votre lettre. »« Mais vous savez, rester à la maison, à me poser 1000 questions, personne ne peut rien faire, c'est ça le pire. »« J'aimerais que nous revoyions une fois de plus tout en revue, si cela ne vous dérange pas. » demanda Jessop. De petits détails pourraient vous revenir, vous comprenez ? Oui, tout à fait, répondit-elle. Donc, la dernière fois que vous avez vu votre mari, c'était le 23 août, lorsqu'il a quitté Londres pour se rendre à une conférence à Paris. Elle hocha la tête. Jessop poursuivit. Il a assisté à la conférence les deux premiers jours, mais le troisième, il a dit à un collègue qu'il partait faire une promenade le long de la Seine. Cela vous paraît-il être un comportement inhabituel de la part de votre mari ? L'interrogea-t-il en la regardant vivement. Oui, plutôt. J'aurais cru qu'il était trop intéressé par la conférence pour faire une telle chose. Il n'est pas rentré à son hôtel, reprit Jessop. Autant que nous sachions, il n'a passé aucune frontière, certainement pas avec son passeport en tout cas. Croyez-vous qu'il aurait pu en avoir un deuxième ? Mais pourquoi faire ? Répondit-elle en secouant la tête avec véhémence. Je ne crois pas le moins du monde qu'il soit parti délibérément. Quelque chose lui est arrivé, j'en suis persuadé. Avait-il des problèmes de santé ? Eh bien, il travaillait beaucoup et il était un peu fatigué, rien de plus. Avait-il l'air préoccupé ? Mais bien sûr que non, s'écria-t-elle, la voix tremblante. Et jamais il ne serait parti sans me le dire. Quelque chose de terrible s'est produit. Il a été kidnappé ou bien attaqué. À Paris, il faut s'attendre à tout. Je peux vous garantir, Mrs. Betterton, que Paris est une ville où la police fait très bien son travail, assura Jessop. Elle le dévisagea, le regard rempli de colère. Je sais ce que vous pensez, mais vous vous trompez. Tom n'irait jamais vendre ou trahir quelque secret que ce soit. Il n'était pas communiste. Quelles étaient ses croyances politiques, Mrs. Betterton ? Il ne s'y intéressait pas. C'était un scientifique brillant, ajouta-t-elle avec un ton de défi, et rien d'autre. Oui, c'était un scientifique brillant, répéta Jessop. Et c'est bien là tout le problème. On aurait pu lui offrir des sommes considérables pour quitter son pays et aller vivre ailleurs, vous savez. C'est faux. Il ne serait jamais parti nulle part sans moi. Il a été kidnappé ou alors il est mort.
Mais il faut que je le sache au plus vite. Je ne peux plus continuer ainsi, à attendre et à m'interroger. Je suis malade d'inquiétude. N'y a-t-il vraiment rien que vous puissiez faire ? Je suis désolé, répondit Jessop. Je vous assure que nous faisons de notre mieux pour découvrir ce qui s'est passé. Des rapports nous parviennent chaque jour d'endroits différents, mais pour être honnête, ils sont très vagues. Il faut que je sache, murmura-t-elle à nouveau, la voix brisée. Je ne peux plus continuer ainsi. Aimez-vous votre mari, Mrs. Betterton ? Bien sûr que oui, dit-elle d'un ton sec. Nous ne sommes mariés que depuis 6 mois. Pardonnez-moi de vous poser une telle question, mais n'avez-vous jamais eu de dispute, aucun problème au sujet d'une autre femme ? Oh, mais non, s'écria-t-elle. Je vous en prie, ne croyez pas que je veuille suggérer quoi que ce soit, s'empressa d'ajouter Jessop, mais je... Et pour ce qui est de son travail, en parlait-il parfois avec vous ? Non, c'était trop technique et moi je n'y connais rien. Pensez-vous qu'il avait quelques scrupules sur ses travaux d'armes de destruction ? Il ne m'a jamais rien dit. Jessop sourit. Dans un travail tel que le sien, il est parfaitement normal d'être nerveux. Mrs. Betterton ne lui retourna pas son sourire. Jessop soupira. Mrs. Betterton, j'essaie d'obtenir une image de votre mari, une idée de l'homme qu'il était, et d'une certaine manière, vous ne m'aidez pas beaucoup. Mais j'ai répondu à toutes vos questions, pratiquement toujours de manière négative. Je veux quelque chose de positif, quelque chose de constructif. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle réfléchit un instant. Oui, je crois. Tom était enjoué, avait bon caractère, et il était intelligent, bien évidemment. Jessop sourit à nouveau. Voilà pour la liste de ses qualités. Essayons quelque chose de plus personnel. Votre mari lisait-il beaucoup ? Oui, assez. Des biographies ou bien des romans policiers lorsqu'il était fatigué ? Avait-il beaucoup d'amis ? Plutôt oui. C'était quelqu'un de très sociable. Mais il est resté aux États-Unis très longtemps et il est né au Canada, alors il ne connaissait pas grand monde par ici. Jessop se saisit d'une feuille de papier. 3 personnes en provenance des États-Unis lui ont rendu visite récemment. D'après ce que nous avons découvert, ce sont les seules personnes avec qui il a eu un contact de l'étranger, pour ainsi dire. Le premier se nomme Walter Griffith. Il est venu vous rendre visite à Harwell. Elle acquiesça. Il était en vacances en Angleterre. Tom a été surpris de le voir, mais très heureux. Ils passaient beaucoup de temps ensemble aux États-Unis. Et comment Griffith vous a-t-il paru ? Eh bien, il était plutôt solennel, mais très poli avec moi, et impatient de rapporter à Tom toutes les dernières nouvelles de là-bas. Aucune question de politique n'a été abordée ? Olive Betterton rougit. Vous essayez de me faire dire que Griffith est communiste. Je suis sûr du contraire, moi. Il travaille pour le gouvernement, au bureau du procureur général, je crois. Il n'est pas communiste, et Tom non plus. Je vous crois, Mrs. Betterton, mais je ne peux pas faire autrement que de poser la question. Ensuite, le docteur Mark Lucas. Vous l'avez croisé à Londres ? Oui. Nous dînions dans un restaurant et cet homme est venu saluer Tom. C'est un chimiste ou quelque chose de ce genre, et la dernière fois qu'il avait vu Tom, c'était aux États-Unis. Votre mari était-il surpris de le voir ? Oui, très. Mais content ? Oui, je crois. Vous n'en êtes pas sûr, l'appressa-t-il. Eh bien, Tom ne l'aimait pas beaucoup. Du moins, c'est ce qu'il m'a dit après coup. C'était seulement une rencontre fortuite. Je vois. Jessop consulta à nouveau le papier qu'il tenait dans sa main. Le 3e contact en provenance de l'étranger, des États-Unis également, était une certaine Mrs. Carol Speeder. Elle avait rencontré Tom là-bas, expliqua Olive, et elle a téléphoné à son arrivée à Londres pour nous inviter à déjeuner. Et vous y êtes allé ? Non. Mais votre mari, oui, l'informa Jessop. Quoi ? Mais il ne me l'a jamais dit. Olive Betterton semblait stupéfaite et mal à l'aise.
Jessop se sentit légèrement désolé pour elle, mais reprit le cours de la conversation. Il avait enfin l'impression qu'il allait aboutir à quelque chose. « Ils ont déjeuné ensemble le 12 août, » poursuivit-il. « Eh bien, il est effectivement allé à Londres ce jour-là, » dit-elle d'une voix incertaine. « À quoi ressemble-t-elle »« Elle n'est pas vraiment séduisante, » la rassura-t-il. « Il n'y a absolument rien qui laisse croire qu'elle ait eu une relation intime avec votre mari. » Voilà pourquoi il est curieux qu'il ne vous ait pas parlé de cette rencontre. Allons, réfléchissez bien, Mrs. Betterton. Avez-vous remarqué un changement dans le comportement de votre mari à ce moment-là, environ une semaine avant la conférence? Non, pas du tout. Il n'y avait rien d'anormal. Jessop soupira. Le téléphone sonna discrètement et il se saisit du combiné. Un homme aimerait s'entretenir avec vous au sujet de l'affaire Betterton, monsieur, dit sa secrétaire. « Il est polonais. Je ferais mieux de vous épeler son nom, je ne suis pas certaine de pouvoir le prononcer correctement. » Jessop nota l'information, puis arracha la feuille de son carnet pour la donner à Olive Betterton. « Connaissez-vous quelqu'un de ce nom ?» Elle écarquilla les yeux et, l'espace d'un instant, il eut l'impression qu'elle était effrayée. « Oui, en effet. J'ai reçu une lettre de lui hier. C'est un cousin de la première épouse de Tom. » Il vient d'arriver en Angleterre, il était très inquiet au sujet de la disparition de Tom et il m'a écrit pour savoir si j'avais du nouveau. Vous n'aviez jamais entendu parler de lui auparavant ? Elle secoua la tête. Alors, il pourrait très bien ne pas être le cousin de votre époux en réalité. À vrai dire, je n'y avais jamais pensé. Elle parut surprise. Mais la première femme de Tom, la fille du professeur Mannheim, était étrangère. Cet homme semblait tout savoir au sujet de Tom et elle. Tout ce qu'il disait semblait plutôt vraisemblable et de toute façon, pour quelle raison mentirait-il ? On se pose cette question à longueur de temps ici, dit Jessop en souriant légèrement. Nous avons tellement l'habitude de ce genre d'affaires que la moindre petite chose nous paraît suspicieuse. Mrs. Betterton frissonna soudain. « Oui, c'est comme votre bureau perdu au milieu de tous ces couloirs. Ça ressemble à ces rêves où l'on a l'impression d'être perdu dans un labyrinthe sans fin dont on ne réussira jamais à sortir. »« Et c'est vrai qu'il y a de quoi devenir claustrophobe, » demanda Jessop d'un air amusé. Olive Betterton repoussa ses cheveux sur son front. « Je ne pourrais pas le supporter plus longtemps, vous savez. De rester assise à attendre, je veux partir d'ici. » Aller quelque part à l'étranger. J'ai essayé d'être courageuse, mais c'est plus que je ne peux supporter. Mon médecin pense que je devrais quitter la ville. Il m'a écrit une lettre. Tenez. Elle sortit une enveloppe de son sac et la posa sur le bureau. Ah oui, je vois, dit Jessop après avoir lu la lettre. Vous n'allez pas vous opposer à mon départ, n'est-ce pas ? Demanda-t-elle en le dévisageant nerveusement. Oh, bien sûr que non. Où pensez-vous aller ? Quelque part. Où il y a du soleil et peu d'anglais. En Espagne, ou alors peut-être au Maroc. Très bon choix. Ça vous fera beaucoup de bien, j'en suis persuadé. Veillez à ce que je puisse vous joindre durant votre voyage, au cas où j'aurai de bonnes nouvelles à vous annoncer. Oh, je n'y manquerai pas, s'exclama-t-elle en se levant, avec un large sourire aux lèvres, malgré la nervosité qui se lisait encore sur son visage. Durant quelques instants, Jessop demeura impassible. Puis, il esquissa lentement un sourire, avant de se saisir du téléphone. « Faites venir le major Glidre, » dit-il. « Major Glidre ?» hésita-t-il légèrement en prononçant le nom. « Je suis Jessop. » Son interlocuteur le regarda avec intérêt. « J'ai entendu parler de vous. » répondit-il. Vraiment ? Par qui ? Le nouvel arrivant sourit. Je crois que nous allons un peu vite en besogne. Laissez-moi d'abord vous donner cette lettre de l'ambassade américaine. Je suis arrivé des États-Unis il y a une semaine. Jessop lut les quelques lignes d'introduction polies que le courrier contenait avant de jauger le visiteur. Il était grand, légèrement tendu,
la trentaine environ, les cheveux blonds coupés ras. Il parlait lentement et précautionneusement avec un accent étranger prononcé. Jessop remarqua qu'il n'était pas du tout nerveux et qu'il avait grandement confiance en lui. C'était inhabituel. La plupart des gens qui venaient dans ce bureau étaient nerveux, excités, inquiets, ou quelquefois agités et même violents. Lui, d'un autre côté, était parfaitement maître de lui-même, un homme qui savait ce qu'il faisait et pourquoi, et qui ne pouvait pas facilement être dupé ou amené à en dire plus qu'il n'en avait l'intention. « Et que puis-je faire pour vous ?» s'informa-t-il. « J'aimerais savoir si vous avez du nouveau au sujet de Thomas Betterton, qui a disparu récemment d'une manière quelque peu étrange. Il est difficile de croire tout ce qui est écrit dans les journaux, et lorsque j'ai demandé où je pouvais avoir des informations fiables, on m'a donné votre nom. Je suis désolé, nous n'avons aucun renseignement précis au sujet de Betterton. Je croyais qu'il était peut-être parti en mission. » Glyde marqua une pause et ajouta de manière assez inattendue « Vous savez, en mission secrète, Jessop sembla peiné. Mon cher monsieur, Betterton était un scientifique, pas un agent secret. Alors comme ça, vous êtes le neveu du défunt professeur Mannheim. Oh, je vois que vous êtes bien informé. Les gens parlent. » murmura Jessop. « La femme de Betterton m'a appris que vous lui avez écrit. Oui, pour lui exprimer mes condoléances et lui demander si elle avait des nouvelles. C'était aimable de votre part. Ma mère était la sœur unique du professeur Mannheim. Ils étaient très proches. Lorsque j'étais enfant à Varsovie, je séjournais souvent chez mon oncle et sa fille, Elsa. Elle était comme une sœur pour moi, c'était le bon vieux temps. Ensuite, la guerre a éclaté. Mon oncle et Elsa se sont enfuis aux États-Unis et je suis resté aux côtés des résistants. À la fin de la guerre, j'ai eu certaines obligations et ensuite, j'avais prévu de m'installer définitivement aux États-Unis pour être enfin près d'eux. Mais hélas, en arrivant, j'ai appris que mon oncle ainsi qu'Elsa étaient morts et que son mari était venu s'installer dans ce pays et qu'il s'était remarié. C'est à ce moment-là que j'ai appris la disparition du célèbre scientifique Thomas Betterton et que je suis venu voir ce que je pouvais faire pour aider. » Il s'interrompit et observa Jessop d'un air inquisiteur. Celui-ci avait toujours le même air impassible. « Pourquoi a-t-il disparu, monsieur Jessop ?»« C'est bien ce que nous aimerions savoir, » répondit-il. « Alors vous n'avez vraiment aucune idée ?» Dans cette pièce, Jessop avait l'habitude de poser les questions, mais à cet instant, les rôles étaient inversés. « Je vous assure que nous n'en avons pas la moindre idée, » dit-il en souriant. « Mais vous avez des soupçons. »« C'est possible, » avança-t-il avec prudence. « Il y a déjà eu des cas de ce genre auparavant. Je sais. » Le visiteur lui cita une demi-douzaine d'affaires identiques. « Tous des scientifiques, » conclut-il sur un ton significatif. Ils sont passés derrière le rideau de fer, d'après vous. » Jessop haussa un sourcil. « Vous voudrez bien me pardonner, mais je ne comprends pas vraiment pourquoi vous vous intéressez tant à lui. Après tout, Betterton ne vous est apparenté que par alliance. » « C'est exact. Mais pour nous autres Polonais, la famille est très importante. Nous avons des obligations. » Le visiteur se leva et fit une courbette légèrement crispée. « Je regrette d'avoir abusé de votre temps et je vous remercie de votre courtoisie. » Jessop se leva à son tour. « Je suis désolé de ne pas avoir pu vous aider, mais nous sommes dans le flou le plus total. Si jamais j'apprends quelque chose ou puis-je vous joindre, l'ambassade américaine me trouvera. Merci pour tout. » Il fit une nouvelle courbette, puis sortit. Jessop se saisit du combiné du téléphone. « Demandez au colonel Wharton de venir dans mon bureau, voulez-vous ?» Lorsque ce dernier apparut, Jessop lui annonça « Les choses bougent. Enfin, Mrs. Betterton
veut partir à l'étranger. » Wharton laissa échapper un sifflement. « Vous croyez qu'elle va rejoindre son cher petit mari ?»« Je l'espère. » Elle est passée tout à l'heure avec une lettre en bonne et due forme de son médecin, lui prescrivant un repos complet et suggérant l'obligation de changer de décor. Bien sûr, il se peut très bien que tout ceci soit vrai. Je dois dire que je l'ai trouvée très convaincante. Je suppose que vous n'avez rien obtenu de plus de sa part. Seulement une légère piste. Betterton ne lui a pas parlé du déjeuner avec cette Mrs. Spider. Murmura Wharton. Vous croyez que c'est significatif ? Peut-être bien. Carol Spider a été entendue par le comité d'investigation sur les activités anti-américaines. Elle a été blanchie, mais tout de même, cela n'ôte rien aux accusations qui ont été portées contre elle. C'est peut-être une piste. Et qu'en est-il des contacts de Mrs. Betterton ? Demanda Wharton. Quelqu'un aurait-il pu la pousser à partir à l'étranger ? Hier, elle a reçu une lettre d'un Polonais, un cousin de la première épouse de Betterton. Je l'ai rencontré à l'instant. Comment est-il ? Très étrange, presque irréel, répondit Jessop. Il me laisse perplexe. Vous croyez qu'il a quelque chose à voir avec le départ de Mrs. Betterton ? Jessop sourit. Je ne sais pas, mais je vais garder un œil sur lui. Quel vaurien vous faites ! Wharton se ressaisit et reprit un ton plus officiel. Alors, qui va s'en charger ? Janet et son équipe, comme toujours, l'Espagne ou le Maroc. Comme par hasard, les deux seuls pays où Betterton n'a pas été vu, s'exclama Wharton. Bien, nous allons nous en occuper. Jessop s'adossa à son siège. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris de vacances, dit-il. Je crois qu'il serait grand temps que je m'offre une petite escapade à l'étranger. Vol 108 pour Paris, par ici, s'il vous plaît. Dans le hall de l'aéroport de Heathrow, Hilary Craven se saisit de sa petite valise en peau de lézard et suivit les autres voyageurs sur le tarmac. Il faisait un vent glacial. Hilary frissonna et resserra son manteau de fourrure autour de son cou. Elle avait réussi, enfin. Elle s'enfuyait, loin de la grisaille, du froid et de sa vie misérable. Elle partait au soleil, sous le ciel bleu, pour tout recommencer à zéro. Toute cette frustration et cette tristesse allaient rester derrière elle. Pour la première fois depuis des mois, elle était soulagée de savoir que cette douleur, si vive qu'elle était presque physique, allait disparaître. « Je m'en vais, » se dit-elle, pleine d'espoir. « Enfin, je m'en vais. » Tandis que l'avion longeait la piste dans l'attente du signal de départ, une pensée lui traversa soudain l'esprit. Et si l'avion s'écrasait au décollage ? Alors ce serait la fin. Cela résoudrait tout. L'appareil prit de la vitesse, puis de l'altitude, et la terre devint soudain minuscule. Hilary s'adossa à son siège et ferma les yeux. Pour mieux savourer le goût délicieux de sa fuite, elle quittait l'Angleterre, enfin, ainsi que Nigel et sa nouvelle épouse. Le petit monticule de terre qui constituait la tombe de Brenda, tout était derrière elle à présent. Elle ferma les yeux en poussant un grand soupir, puis s'endormit. Lorsqu'elle se réveilla, l'avion amorçait son atterrissage. Paris, songea-t-elle, mais elle se trompait. « Nous allons atterrir à Beauvais, » expliqua l'hôtesse, « car il y a beaucoup de brouillard autour de Paris. » L'avion se posa et les passagers furent débarqués dans le froid et la brume humide, puis conduits vers un bâtiment en bois. D'autres avions qui avaient été déviés arrivèrent à leur tour et la pièce fut bientôt pleine de gens frigorifiés, irrités et de mauvaise humeur à cause du retard. Pour Hilary, tout ceci avait quelque chose d'irréel. Ce n'était qu'un retard, seulement une petite attente. Cela ne changeait rien à ses plans. Les bus se succédèrent pour acheminer les passagers jusqu'à Paris et le trajet épuisant se fit dans l'obscurité glaciale de la nuit. L'avion en partance pour Casablanca devait partir d'Orly à 10h30 le matin suivant
Mais lorsque Hilary arriva à l'aéroport, le brouhaha le plus total régnait. Des appareils avaient été immobilisés de la même manière un peu partout en Europe. Un employé éreinté, au bureau des départs, haussa les épaules. « Madame, il est impossible de prendre l'avion pour lequel vous aviez réservé votre place. Les horaires ont changé à cause du brouillard. » Finalement, elle se vit proposer un siège sur le vol pour Dakar qui ne devait normalement pas se poser à Casablanca, mais qui allait le faire exceptionnellement. « Vous aurez 3 heures de retard, madame, pas plus, » dit-il. Hilary accepta sans protester, et son interlocuteur sembla réjoui de son attitude. « Madame n'a pas idée des difficultés auxquelles je dois faire face, » expliqua-t-il. « C'est pas de ma faute s'il y a du brouillard. Après tout, qu'est-ce que ça peut bien faire de savoir quel avion vous emmène à Casablanca ? L'important, c'est que vous y arriviez, non ?» Cependant, ce jour-là, cela ferait la différence plus qu'il ne pouvait l'imaginer. « Vous avez bien de la chance, madame, de ne pas avoir pris le vol régulier pour Casablanca, » lui dit le porteur qui marchait à ses côtés, à sa descente d'avion. Il se pencha vers elle d'un air confidentiel. « C'est terrible. Il s'est écrasé. Seulement 4 à 5 passagers ont survécu. » La première réaction de Hilary fut une sorte de colère aveugle. « Pourquoi n'étais-je pas dans cet avion ? Tout aurait été fini à présent. Plus de peine de cœur, plus de souffrance. » Les gens dans cet avion ne voulaient pas mourir, alors que moi je m'en moque. Pourquoi ne suis-je pas morte dans cet accident ? Elle passa les douanes et se rendit à son hôtel. C'était un après-midi incroyablement ensoleillé. L'air pur et la lumière dorée. Tout ce qu'elle avait imaginé. Elle était arrivée. Adieu le froid et la grisaille de Londres. Toute sa tristesse, ses indécisions et sa souffrance étaient derrière elle. Ici, il y avait de la vie, de la couleur et du soleil. Fuis, fuis. Ce refrain tournait en boucle dans son esprit depuis qu'elle avait quitté l'Angleterre. Mais tandis qu'elle se détournait lentement de la fenêtre et s'asseyait sur le lit, elle comprit avec horreur qu'il n'y avait pas d'échappatoire possible. Rien n'était différent de Londres ici. Elle, Hilary Craven, était toujours la même, et c'était elle-même qu'elle cherchait à fuir. « Quel idiote j'ai été !» dit à la voix basse. Pourquoi s'était-elle imaginée que les choses auraient moins d'importance ici ? Elle ne pouvait pas fuir la réalité. Elle avait supporté sa longue maladie, le rejet de Nigel et les circonstances cruelles et brutales dans lesquelles cela s'était passé pour Brenda. Mais Brenda était morte. À présent, elle n'avait donc plus aucune raison de vivre. Et ici, les choses n'étaient pas différentes. Au contraire, les faits étaient simples et elle ne pouvait pas y échapper. Elle ne désirait plus qu'une seule chose, mourir. Si elle avait pris cet avion, ses problèmes auraient été résolus. Elle serait en morceaux dans une chapelle ardente, en France, l'esprit en paix, libérée de toute souffrance. Peut-être, se dit-elle, qu'après tout, elle pourrait aussi bien parvenir au même résultat. Il suffisait juste qu'elle se donne un petit peu de mal. Elle se leva d'un air décidé. Hilary s'était toujours imaginé que se procurer des médicaments à l'étranger était chose facile. Mais sans ordonnance, le premier pharmacien chez qui elle se rendit n'accepta de lui fournir que 2 doses de somnifères. En sortant rapidement de la pharmacie, elle heurta un jeune homme grand et au visage assez solennel qui balbutia quelques mots d'excuse en anglais. Tandis qu'elle s'éloignait, elle l'entendit demander du dentifrice au pharmacien. Avant de retourner à son hôtel, elle se rendit dans 4 autres pharmacies. Dans la 3e, elle croisa à nouveau le jeune homme au visage de vieux hibou, encore à la recherche d'une marque particulière de dentifrice qui, de toute évidence, ne faisait pas partie des produits couramment vendus dans les pharmacies françaises. Hilary avait presque le cœur léger en descendant dîner ce soir-là. Le restaurant était pratiquement vide. Seule la présence du jeune Anglais, assis seul à une table près du mur, absorbé dans la lecture d'un quotidien français, attira son attention. Elle avala un repas copieux et but une demi-bouteille de vin, légèrement étourdie par toute l'excitation qu'elle ressentait.
L'aventure va-t-elle enfin se terminer, songea-t-elle. Après avoir quitté le restaurant de l'hôtel, elle remonta directement dans sa chambre et verrouilla la porte derrière elle. Puis elle se dirigea vers le tiroir de la commode et en sortit des tablettes de somnifères, les disposa sur la table devant elle et se versa un verre d'eau. Elle décida de ne pas laisser de lettres. Elle n'avait personne à qui elle souhaitait dire au revoir. À présent, il n'y avait plus rien à faire. Elle se préparait à un nouveau voyage, attendant l'heure du départ pour une destination inconnue, libérée de tout bagage et de la tristesse qui accompagne souvent les adieux. Elle tendit la main vers les comprimés. C'est alors que l'on frappa doucement et discrètement à la porte. Hilary interrompit son geste et fronça les sourcils. Un nouveau coup retentit, plus fort cette fois-ci, et elle écarquilla les yeux d'étonnement, tandis que la clé tournait lentement dans la serrure. La porte s'ouvrit et un homme entra. Hilary reconnut immédiatement le jeune homme qui était à la recherche de dentifrice. Elle le dévisagea, trop abasourdi pour dire ou faire quoi que ce soit. Il ferma la porte derrière lui et la verrouilla, puis il s'assit sur une chaise de l'autre côté de la table et annonça d'une manière des plus incongrues « Je m'appelle Jessop ». Hilary rougit vivement, elle se pencha en avant et laissa éclater une colère froide. « Que croyez-vous que vous êtes en train de faire ?» Il la regarda impassible, puis cligna des yeux. « C'est drôle, » répondit-il. « C'est exactement ce que je venais vous demander. » D'un bref signe de la tête, il indiqua les comprimés. Hilary marqua une pause, cherchant ses mots. Elle aurait voulu dire tant de choses, exprimer son indignation, lui ordonner de quitter sa chambre. Étrangement, la curiosité fut plus forte que tout. « La clé, » articula-t-elle enfin. « Comment avez-vous réussi à la faire tourner pour ouvrir de l'extérieur. » Oh, ça ! Le jeune homme esquissa un large sourire enfantin, puis sortit un instrument métallique de sa poche. « Voici un petit ustensile très pratique dont les voleurs se servent régulièrement. Alors, si je comprends bien, vous êtes venu en cambrioleur. » « Non, Mrs. Craven, ces gens-là ne frappent pas avant d'entrer, vous savez. J'ai compris que vous ne m'ouvririez pas, alors je me suis servi de ceci. Mais pourquoi ?» À nouveau, le regard de son visiteur se posa sur les somnifères étalés sur la table. « Je ne le ferais pas si j'étais vous, » dit-il. « Ça ne ressemble pas du tout à ce que vous imaginez, vous savez. Vous endormir et ne plus jamais vous réveiller, ça ne se passe pas comme ça. Il y a toutes sortes d'effets secondaires désagréables. Et si quelqu'un vous trouve à temps, il y a les lavages d'estomac, l'huile de ricin, les gifles et tout le reste. Tout ceci n'a rien de réjouissant. » Hilary s'adossa à sa chaise, les yeux plissés et les mains jointes fermement. « C'est ridicule, » s'exclama-t-elle avec un sourire forcé. « Vous pensez que j'allais me suicider ?»« Ou j'en suis pratiquement certain, » répondit Jessop. « La première pharmacie ne vendait pas le dentifrice que j'utilise, alors je me suis rendu dans une autre, et vous y étiez une nouvelle fois pour acheter des somnifères. Je vous avoue que j'ai trouvé cela un peu étrange. Alors je vous ai suivi. Tous ces somnifères ne pouvaient signifier qu'une seule chose. » Le ton de sa voix était amical, désinvolte, mais relativement assuré. Hilary décida de laisser tomber les faux-semblants. « Dans ce cas, ne trouvez-vous pas totalement déplacé de vouloir essayer de m'arrêter ?» Il réfléchit un instant, puis secoua la tête. « Non, c'est l'une de ces choses que vous ne pouvez pas ne pas faire, si vous voyez ce que je veux dire. » « Vous pourrez m'en empêcher aujourd'hui, » rétorqua Hilary vivement, « mais vous ne pourrez pas m'empêcher d'acheter d'autres somnifères un autre jour, ou de me défenestrer du dernier étage d'un bâtiment, ou encore de me jeter devant un train. »« Non, » concéda-t-il, « mais la question est, le ferez-vous vraiment, demain, je veux dire. »« Vous croyez que je vais voir les choses différemment demain ?» demanda Hilary d'un ton amer. « Ça arrive, » fit Jessop presque en s'excusant. « Sans doute, » si vous agissez sous le coup d'une impulsion passagère, mais lorsqu'il s'agit d'un désespoir profond qui dure depuis longtemps, c'est autre chose. Je n'ai rien à quoi me raccrocher dans la vie, vous voyez ?
Jessop pencha la tête sur le côté et plissa les yeux. « Intéressant, commenta-t-il. « Oh non, pas du tout. Je ne suis pas une femme très intéressante. Mon mari que j'aimais m'a quittée. Mon unique enfant, une fille, est morte d'une méningite. Je n'ai aucun ami proche, ni aucune famille. Rien. » Elle se redressa avant d'ajouter « Alors, monsieur Jessop, vous voudrez bien me laisser tranquille. » Mais Jessop fit non de la tête. « Pas encore. Je voulais savoir, voyez-vous, ce qu'il y avait derrière tout ça. Je crois que vous venez de me fournir ma réponse, n'est-ce pas ? La vie ne vous intéresse pas, vous n'avez pas envie de vivre et vous accueillez plus ou moins bien l'idée de mourir. » « C'est exact. Bien, poursuivit-il d'un ton enjoué. Maintenant, nous savons où nous en sommes. Mais devez-vous vraiment faire ça avec des somnifères ?» Hilary fronça les sourcils. « Comment ça ? Ce que je veux dire, c'est qu'il y a d'autres moyens, expliqua-t-il. Pourquoi ne pas utiliser une autre méthode, un peu plus sport et plus excitante ? Je vais être honnête avec vous. Vous avez une chance sur 100 de ne pas mourir. Mais je ne crois pas que c'est de cette façon que vous raisonnez vraiment ces derniers temps. Je n'ai absolument pas la moindre idée de ce dont vous êtes en train de parler. Bien sûr que non, répondit Jessop. Je n'ai pas encore commencé. Vous avez certainement entendu parler de la disparition de plusieurs scientifiques. Un Italien, l'année dernière, et un certain Thomas Betterton, il y a environ 2 mois. Hilary hocha la tête. « Oui, je l'ai lu dans les journaux. » « Eh bien, il y en a eu beaucoup plus en réalité. Plus de gens, je veux dire, qui ont disparu. Des personnalités importantes, des chimistes, des physiciens et même un avocat. Ce qui commence à faire beaucoup. Bien sûr, nous sommes dans un pays libre, les gens peuvent aller et venir comme bon leur semble, mais les circonstances sont particulières et nous avons besoin de comprendre pourquoi ils sont partis, où ils sont allés et comment. Sont-ils partis de leur propre volonté ? Quel genre d'organisation est impliquée ? Quel est son but ultime ? Nous voulons des réponses. Et vous pourriez nous aider à les obtenir. Hilary ouvrit grand les yeux. « Moi ? Prenez l'affaire Thomas Betterton, par exemple, reprit-il. Il a quitté Paris il y a environ 2 mois en laissant sa femme derrière lui en Angleterre. Elle jure n'avoir aucune idée de l'endroit où il était allé ni des raisons d'un tel départ. Il se peut que ce soit vrai, mais certaines personnes, et je suis l'une d'elles, en doutent fortement. » Hilary se pencha en avant. Malgré elle, son intérêt grandissait. Nous nous étions préparés à garder un œil bienveillant et discret sur Mrs. Betterton, m'expliqua-t-il. Il y a 2 semaines, elle m'a dit que son médecin lui avait prescrit d'aller se reposer quelque part à l'étranger. Elle est donc partie, hier, comme prévu, pour Casablanca. Tout était planifié, les réservations prises depuis longtemps. Mais ce voyage n'était peut-être qu'un prétexte. Et Mrs. Betterton prévoyait sans doute de bifurquer, elle aussi, vers une destination inconnue. Hilary haussa les épaules. « Je ne vois pas ce que je viens faire là-dedans. » Jessop sourit. « Vous avez une magnifique chevelure rousse. »« Comment ?»« Oui. » C'est également la première chose que l'on remarque chez Mrs. Betterton, ses cheveux. « Vous avez sans doute appris que l'avion précédant le vôtre s'était écrasé à l'atterrissage aujourd'hui. « Ah oui, j'aurais dû être à bord moi aussi, j'avais réservé sur ce vol. »« Intéressant, » commenta Jessop. « Eh bien, il se trouve que Mrs. Betterton était à bord. Elle n'a pas été tuée, mais d'après les médecins, il ne lui reste que peu de temps à vivre. » Hilary s'illumina légèrement. Elle lança un regard inquisiteur à Jessop. « Maintenant, vous voyez peut-être sans doute le genre de suicide que je vous propose, » dit-il. « Je vous suggère de prendre la place de Mrs. Betterton. »« Mais comment ? Ils sauront tout de suite que je ne suis pas elle. » Jessop prit un air solennel. « Tout cela, bien évidemment, dépend entièrement de qui ils sont. Et ça, nous ne le savons pas. Nous pensons que ces gens travaillent en petits groupes fermés pour leur propre sécurité. » Si le voyage de Mrs. Betterton avait un but bien précis,
les gens qui devaient se charger d'elle à Casablanca ne savent rien de la partie anglaise de l'affaire. Au moment convenu, ils contacteront une certaine femme à un certain moment précis et poursuivront leur mission à partir de là. Le passeport de Mrs. Betterton signale qu'elle mesure 1,70 m, qu'elle a les cheveux roux, les yeux bleu-vert, des lèvres moyennes et aucun signe distinctif. Cela convient tout à fait. Mais les autorités de la ville... Jessop esquissait un sourire. De ce côté-là, il n'y aura aucun problème. Les Français ont perdu quelques-uns de leurs scientifiques les plus qualifiés eux aussi. Ils coopéreront. Les faits sont les suivants. Mrs. Betterton, souffrant d'une commotion, a été admise à l'hôpital. Mrs. Craven, une autre passagère de l'avion, aura également été admise. Mrs. Craven mourra et Mrs. Betterton pourra sortir légèrement souffrante, mais capable de poursuivre son voyage. L'accident est bien réel, de même que la commotion, ce qui pourra excuser beaucoup de choses telles que des trous de mémoire. « C'est de la folie !» s'exclama Hilary. « Oh oui !» répondit Jessop, « c'est de la folie pure. C'est une mission très risquée et vous n'en réchapperez probablement pas. Mais je vais être franc. Je pense que vous êtes impatiente de commencer. C'est tout de même plus amusant que de se jeter devant un train, non ?» Hilary éclata de rire de manière inattendue. « Je crois bien que vous avez raison. Dans ce cas... » dit Jessop en se levant, plein d'énergie, il n'y a pas de temps à perdre. Une impression de froid régnait à l'intérieur de l'hôpital et une odeur d'antiseptique flottait dans l'air. Dans le couloir, des bruits de verre et d'instruments lui provenaient, tandis qu'un chariot allait et venait. Hilary Craven était assise dans un fauteuil près d'une table de chevet et Jessop se tenait dans un coin. Un docteur était debout, près du lit dans lequel Olive Betterton était allongée, inconsciente. « Ce ne sera plus très long à présent, dit-il. » Il secoua la tête et sortit. Une sœur entra à son tour, triturant son rosaire. Jessop jeta un coup d'œil en direction d'Hilary. « Vous avez entendu ce qu'a dit le docteur ?» demanda-t-il à voix basse. Elle hocha la tête. « Elle sera plus encline à se confier à vous qu'à moi, » poursuivit-il. Si elle reprend conscience, je veux toutes les informations que vous pourrez en tirer. Un code secret, un signe de reconnaissance, un message, n'importe quoi. Hilary se sentit tout à coup envahie par une profonde compassion envers la mourante. Cette femme qui était sur le point de rejoindre l'homme qu'elle aimait, ou bien se trompait-il ? Était-elle seulement venue au Maroc pour passer du bon temps, pour chercher un peu de repos ? « Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des scrupules, dit-elle, et je le comprends. Mais ne me demandez pas de faire une chose pareille. » Presque 2 heures s'étaient écoulées lorsque la sœur cessa de réciter son chapelet. « C'est pour bientôt, » annonça-t-elle calmement. « Je vais aller chercher le docteur. » Elle sortit et Jessop s'écarta du champ de vision d'Olive Betterton. Les paupières de cette dernière vacillèrent avant de s'ouvrir. Ses yeux, bleu-vert, pâles et hagards, plongèrent dans ceux d'Hilary. Un air légèrement perplexe sembla s'y dessiner. « Ouh !» articula-t-elle dans un souffle. Le docteur entra dans la chambre et prit sa main. « Vous êtes à l'hôpital, madame, » répondit-il. « Vous avez eu un accident. » « Y a-t-il quoi que ce soit que je puisse faire pour vous ?» demanda Hilary d'une voix claire et distincte. « N'hésitez pas. » Jessop s'approcha et la mourante le reconnut immédiatement. « Je vous connais. »« Oui, Mrs. Betterton, en effet. Avez-vous quelque chose à me dire au sujet de votre mari ?»« Non. » Ses paupières se refermèrent et le docteur annonça très doucement. « C'est la fin. » Jessop quitta la pièce. Mais la femme rouvrit les yeux et fixa Hilary, qui prit sa main froide et livide dans la sienne. « Dites-lui, » murmura Olive Betterton, « d'être prudent. Boris, dangereux. » Le souffle lui manqua à nouveau. Hilary se pencha plus près d'elle. « Je le ferai.
Y a-t-il quoi que ce soit que vous puissiez me dire qui m'aiderait à contacter votre mari ? Neige. Le mot sortit à peine de sa bouche et Hilary resta perplexe. La neige ? Neige. Neige. Magnifique neige. Se mit à réciter la mourante. Tu tombes, puis tu disparais. Elle répéta le dernier mot. Disparaît. Allez lui parler de Boris. Je ne voulais pas le croire, mais si c'est vrai. Une sorte d'interrogation mêlée d'agonie apparut dans ses yeux et un râle étrange s'échappa de sa gorge. Ses lèvres tremblèrent et Olive Betterton rendit son dernier souffle. Les 5 jours suivants furent éprouvants mentalement, bien que physiquement inactifs. Emmurée dans une chambre privée à l'hôpital, Hilary s'était mise au travail. Chaque soir, elle devait passer un examen sur ce qu'elle avait appris de la vie d'Olive Betterton, où elle avait vécu, ses relations, le nom de ses animaux domestiques, chaque détail de son mariage avec Thomas Betterton, une multitude d'informations qui semblaient parfois totalement dénuées de sens. « Est-ce que tout ceci est vraiment bien utile ?» demanda un jour Hilary à Jessop. « Probablement pas, » répondit celui-ci avec calme, « mais vous devez être crédible. Vous ne pouvez pas vous imaginer être Olive Betterton tant que vous n'êtes pas réellement Olive Betterton. Avec plus de temps, le résultat serait bien meilleur, mais nous n'en avons pas. Dieu merci, vous comprenez vite et vous avez une bonne mémoire. » Il la jaugea d'un air appréciateur. Les descriptions sur les passeports d'Olive Betterton et de Hilary Craven étaient presque identiques, mais les deux visages étaient complètement différents. Olive semblait obstinée mais naïve, tandis que le visage de Hilary reflétait la force et le mystère. Au fond de ses yeux bleu-vert brillait une vive lueur d'intelligence. Sous cette passion et ce courage se dissimule un esprit fort qui apprécie la vie et recherche l'aventure, songea Jessop. Le défi lancé à son intelligence avait stimulé Hilary. Son intérêt grandissait de jour en jour, elle était déterminée à réussir. Une ou deux objections lui traversèrent néanmoins l'esprit. « Comment pouvez-vous être sûr qu'on ne va pas s'apercevoir de la supercherie ? » demanda-t-elle. Jessop haussa les épaules. « Apparemment, il y a eu peu de communication entre les pays. Aucune partie ne saura ce qui se passe ailleurs dans la chaîne. Je reste persuadé qu'ici, tout ce que la cellule sait, c'est que Olive Betterton arrivera par un certain vol et qu'on lui donnera ensuite des instructions. Elle n'est pas importante en elle-même. Notre plan était de la suivre et de découvrir où elle se rendait, qui elle rencontrait et ainsi de suite. Naturellement, ils vont s'attendre à ce que quelqu'un la surveille, mais nous devons essayer de nous montrer plus malins qu'eux. « Alors, vous allez me surveiller sans qu'il y arrive ?» Jessop hocha la tête, « évidemment, mais il vaut mieux que vous ne sachiez pas de quelle manière. Ce que vous ne savez pas ne peut pas vous nuire. » »« Ce n'est pas facile, vous savez. Tout peut basculer très vite. Une respiration soudaine de surprise, une pause momentanée, un nom ou un ami que vous pourriez reconnaître, vous pourriez le dissimuler rapidement. Mais une seconde suffit. » Les leçons se poursuivirent, les interrogatoires, les répétitions, les efforts pour essayer de la piéger. À la fin, Jessop se déclara satisfait. « À présent, rappelez-vous, dit-il, que même si vous avez l'impression d'être seul, vous ne l'êtes probablement pas. Je dis probablement. Je n'en dirai pas plus. Que se passera-t-il si je parviens à la fin du voyage, si je me retrouve face à face avec Thomas Betterton ?» Jessop hocha la tête, l'air sombre. « C'est le moment le plus dangereux. Je peux seulement vous dire qu'à ce moment-là, vous devriez être protégé. Mais comme vous vous en souvenez sans doute, les chances de survie à cette mission étaient plutôt minces. 1 sur 100, » fit Hilary sèchement. « Je crois que nous pouvons augmenter un peu. Je ne savais pas à qui j'avais affaire à cet instant. » Enfin, un compliment. Ravi, Hilary poursuivit d'un ton pragmatique, « Une autre chose m'a traversé l'esprit. Et si quelqu'un me reconnaît, moi, Hilary Craven ?»
Inutile de vous préoccuper de cela, répondit Jessop. Vous partirez d'ici pour vous rendre à l'hôtel où Olive Betterton avait réservé. Vous aurez l'air d'être à elle et vous aurez quelques pansements. Un médecin va venir s'en occuper d'ailleurs. Une petite anesthésie locale et vous ne sentirez rien, mais vous devez avoir des marques plus vraies que nature de l'accident. Vous pensez à tout décidément, fit remarquer Hillary. Elle marqua une courte pause avant de reprendre. Vous ne m'avez jamais demandé si Olive Betterton m'avait confié quoi que ce soit. J'ai compris que vous aviez des scrupules, répondit Jessop. Le fait est qu'elle a bel et bien murmuré quelques mots, poursuivit Hillary. Dites-lui, sous-entendu à son mari, dites-lui d'être prudent. Boris, dangereux. Boris. Mais bien sûr, notre major étranger, Boris Glidre. Un Polonais qui est venu me rendre visite à Londres, fit Jessop d'un air songeur. Il prétend être un cousin par alliance de Tom Betterton. Mais nous n'avons que sa parole sur ce fait. Elle était effrayée, poursuivit Hillary, les sourcils froncés. Pouvez-vous me le décrire? J'aimerais être capable de le reconnaître. 1m80, environ 80 kilos, blond, un visage impassible, des yeux clairs et des manières guindées d'étrangers. Un anglais très correct mais un fort accent et une attitude de militaire rigide. J'avais chargé quelqu'un de le suivre. Il s'est rendu directement à l'ambassade américaine en sortant de mon bureau et en est reparti, je présume, soit dans la voiture d'une autre personne, soit par la porte de derrière. Quoi qu'il en soit, il nous a échappé. Jessop pocha la tête. Olive Betterton n'avait peut-être pas tort lorsqu'elle disait que Boris Glidre était dangereux. Trois femmes étaient assises dans le petit salon de l'hôtel Saint-Louis. Mrs. Calvin Baker, petite, potelée, avec des cheveux teintés en bleu, rédigeait quelques lettres avec la même énergie qu'elle prenait soin de mettre dans chacune de ses activités. Personne n'aurait pu confondre Mrs. Calvin Baker avec autre chose qu'une touriste américaine assez fortunée, avec une soif d'apprendre inépuisable. Assise sur une chaise inconfortable, Miss Hetherington, qui une fois encore n'aurait pas pu être confondue avec autre chose qu'une touriste anglaise, tricotait l'un de ces vêtements tristement informes que les dames anglaises d'âge moyen passent leur temps à confectionner. Elle était grande et maigre, avec un cou de poulet, des cheveux mal coiffés et un air général de dégoût vis-à-vis du monde qui l'entourait. Mademoiselle Jeanne Maricot se tenait droite comme un i sur sa chaise et regardait par la fenêtre en bâillant. Elle avait teint ses cheveux bruns en blond et son visage ordinaire était joliment maquillé. Vêtue de vêtements chics, elle ne s'intéressait pas le moins du monde à ce que les autres personnes présentes dans la pièce faisaient. Miss Hetherington et Mrs. Calvin Baker, ayant toutes deux passé plusieurs nuits sous le toit de l'hôtel Saint-Louis, avaient fait connaissance. Mrs. Calvin Baker, avec sa cordialité typiquement américaine, parlait à tout le monde. Miss Hetherington, bien qu'aussi désireuse de se faire des amis, ne parlait qu'aux Anglais et Américains, qu'elle considérait d'un niveau social acceptable. Elle n'avait aucune affinité avec les Français, à moins qu'ils n'aient une vie de famille respectable, ce dont elle pouvait juger en voyant le nombre d'enfants partageant la table des parents dans la salle de restaurant. Un Français, qui avait l'air d'un homme d'affaires prospère, jeta un coup d'œil dans le salon. Intimidé par cette impression de solidarité féminine, il ressortit en regardant longuement avec regret Mademoiselle Jeanne Maricot. Puis une grande femme, aux cheveux roux, regarda à son tour dans le salon et hésita un instant avant d'emprunter le passage qui menait à la salle de restaurant. Mrs. Calvin Baker et Miss Hetherington furent immédiatement alertées et Mrs. Baker se mit à murmurer avec excitation « Vous avez remarqué cette femme aux cheveux roux qui a jeté un œil à l'intérieur du salon, Miss Hetherington ?» Il paraît qu'elle est l'unique survivante du terrible accident d'avion qui a eu lieu la semaine dernière. « Je l'ai vue arriver cet après-midi », annonça Miss Hetherington, sautant une maille dans son tricot sous l'emprise de l'excitation. « En ambulance !»« Je me demande si c'est bien prudent de la laisser quitter l'hôpital si tôt,
Elle a eu une commotion, je crois. Vous avez vu les pansements qu'elle a sur le visage? Elle a sans doute été coupée par des éclats de verre. La pauvre. Je me demande si son mari l'accompagnait. Miss Hetherington secoua la tête. Je ne crois pas. Il est écrit dans le journal qu'elle était seule. Ils ont donné son nom, une certaine Mrs. Betterton. Ça me rappelle quelque chose. Tant pis pour Pierre, se dit la Française. Il est vraiment insupportable. Cette fois, mon choix est fait. Avec de longues enjambées gracieuses, Mademoiselle Maricot sortit du petit salon. Mrs. Thomas Betterton avait quitté l'hôpital cet après-midi-là dans une ambulance, 5 jours après l'accident. À son arrivée à l'hôtel Saint-Louis, l'air pâle et malade, son visage couvert de pansements et de bandages, elle fut conduite dans la chambre qu'elle avait réservée, accompagnée par le directeur en personne. « Vous l'avez échappé belle, madame. C'est un vrai miracle. 3 survivants, pas un de plus. » Hilary s'enfonça dans un fauteuil. « Oui, en effet, » murmura-t-elle. « Encore maintenant, je ne me rappelle de pratiquement rien. » Le directeur hocha la tête d'un air compatissant. « Ah oui, votre commotion, ce genre de choses, c'est très curieux tout de même, vous ne trouvez pas ?» Hilary acquiesça, puis l'homme sortit de la pièce. Aucun message n'avait été laissé pour elle à l'accueil. Ses premiers pas sous sa nouvelle identité se feraient donc dans le noir total. Si on avait demandé à Olive Betterton de téléphoner à un certain numéro ou de contacter une personne en particulier, il n'y en avait aucune trace. Hilary ne possédait que le passeport de la défunte, sur lequel se trouvait sa photo à présent, et une liste de réservations pour 2 jours à Casablanca, 6 jours à Fès et 5 jours à Marrakech. Celle-ci était à présent dépassée et il faudrait donc agir en conséquence. Sa mission était de jouer son rôle et d'attendre, avec comme carte maîtresse l'accident d'avion et la perte de mémoire, ainsi que la confusion générale qui en résultait. Abasourdie, désorientée et affaiblie, Olive Betterton attendait les ordres. Au cours du dîner, elle fut dévisagée avec un certain intérêt. Les hommes d'affaires osaient à peine la regarder, mais aux tables occupées par des touristes, elle était la source principale de discussion. Cette femme là-bas, aux cheveux roux, quelle effroyable expérience, entendit-elle murmurer. Une fois son repas terminé, Hilary alla s'installer dans le salon, se demandant si quelqu'un oserait venir l'aborder. Au même instant, une petite femme potelée, d'âge moyen, approcha sa chaise et entama la discussion avec un accent américain agréable et brusque. « Je m'excuse de vous déranger, mais je tenais absolument à vous parler. C'est bien vous, n'est-ce pas, qui avez réchappé miraculeusement de l'accident d'avion de l'autre jour ?» Hilary acquiesça d'un signe de tête. « Mon Dieu, seulement 3 survivants, d'après ce que j'ai entendu dire. 2, rectifia Hilary, une femme est morte à l'hôpital. » « Quelle horreur! Voyons, Mrs. Betterton. Eh bien, si vous le permettez, j'aimerais savoir où vous étiez assise précisément dans l'avion. » Hilary n'eut aucun mal à répondre à cette question. « À l'arrière, » répondit-elle promptement. « On dit toujours que ce sont les places les plus sûres. Mais avec tout ceci, je ne suis même pas présentée, je suis Mrs. Kelvin Baker. » Hilary enregistra l'information. Et son interlocutrice poursuivit. « Je viens d'arriver de Mogador, et Miss Hetherington, » elle se tourna pour inclure une autre femme d'âge moyen, au long visage de cheval dans la conversation, « arrive de Tanger. Nous avons fait connaissance il y a peu. Projetez-vous de visiter Marrakech, Mrs. Betterton ?»« Je l'avais prévu, » répondit Hilary, « mais l'accident d'avion a quelque peu chamboulé mes plans. » »« Naturellement, je veux bien le croire. » « Mais vous ne devez pas rater Marrakech, pas vrai, Miss Hetherington ?»« La vie là-bas est terriblement chère, » fit remarquer cette dernière. « Je connais un hôtel merveilleux, le Mamounia, » poursuivit Mrs. Baker. « Oh, totalement hors de prix, » commenta Miss Hetherington. « En tout cas pour moi. Mais on m'a donné le nom d'un petit hôtel très accueillant et propre. »« Quelles autres villes envisagez-vous de visiter, Mrs. Betterton ?» demanda Mrs. Kelvin Baker. « J'aimerais me rendre à Fès. » répondit Hilary prudemment.
Il va falloir que je fasse de nouvelles réservations, bien sûr. Oh oui, il ne faut absolument pas que vous passiez à côté de Fès ou de Rabat. Vous y êtes allé? Pas encore. Je le prévois dans peu de temps, de même que Miss Hetherington. La conversation se poursuivit jusqu'à ce que Hilary prétexte d'être fatiguée et monte dans sa chambre. La soirée n'avait pas été concluante. Les deux femmes n'étaient de toute évidence rien de plus que ce qu'elles semblaient être, à savoir des touristes ordinaires. Il n'y avait toujours ni lettre, ni message, ni appel téléphonique pour elles le matin suivant, alors Hilary se rendit à l'agence de voyage. Après avoir attendu longuement, elle atteignit enfin le comptoir. L'employé, un homme assez âgé, s'illumina immédiatement en la voyant. « Ah, Madame Betterton, j'ai toutes vos réservations. »« Je crains que leur date ne soit dépassée, » répondit Hilary. « Oui, ne vous inquiétez pas, j'ai reçu votre coup de téléphone et j'en ai fait de nouvelles en conséquence. » Le pouls d'Hilary s'accéléra. Pour autant qu'elle sache, personne n'avait appelé l'agence de voyage. Ceci était donc un signe évident que le voyage d'Olive Betterton était supervisé par quelqu'un d'autre. Je n'étais pas sûr qu'ils aient appelé. Mais si, madame, tenez. Il produisit des billets de train et des réservations de chambres d'hôtel. Hilary devait quitter Fès le matin suivant. Mrs. Kelvin Baker n'était pas au restaurant pour le déjeuner ni pour le dîner, mais Miss Hetherington, si. Elle ne fit aucune tentative pour engager la discussion avec Hilary. Le jour suivant, elle prit le train pour Fès. Plus tard dans la journée, Mrs. Kelvin Baker, arrivant dans l'hôtel avec sa brusquerie habituelle, fut abordée par Miss Hetherington, dont le nez frétillait d'excitation. « Je viens de me rappeler où j'avais déjà entendu le nom Betterton. Il s'agit de ce scientifique qui a disparu. C'était dans tous les journaux. Serait-il possible qu'il s'agisse de son époux ? Son adresse sur le registre indique Howell, le centre atomique. Vous savez, on m'a dit que les bombes atomiques pouvaient rendre le monde entier radioactif. « Oh là là, oh mon Dieu !» s'exclama Mrs. Kelvin Baker. Le temps était magnifique. Le train progressait lentement vers le nord. Un petit Français, vraisemblablement en voyage d'affaires, était assis en face de Hilary, tandis que dans le coin se trouvait une nonne à l'air désapprobateur et à sa gauche deux femmes mauresques avec un nombre important de bagages. Le Français engagea bientôt la conversation. « Vous devriez visiter Rabat, madame, » dit-il. Hilary lui sourit. « J'essaierai, mais je n'ai pas beaucoup de temps et pas beaucoup d'argent non plus. Mais il suffit de s'arranger avec un ami sur place. La prochaine fois que vous viendrez, madame, envoyez-moi un petit mot, je vous donne ma carte. Cela doit vous changer de l'Angleterre, » poursuivit-il, « si froid, si brumeux et désagréable. Oui, c'est le moins que l'on puisse dire. » Moi aussi, j'arrive de Paris. Le brouillard, la pluie, tout ce qu'il y a de plus désagréable. C'est sans comparaison avec le soleil d'ici. Comment était le temps en Angleterre lorsque vous êtes parti? Oh, plus ou moins comme vous l'avez décrit, répondit Hilary. Il y avait du brouillard. Ah oui, c'est la pleine saison du brouillard. Et la neige, y en a-t-il eu cette année? Non, dit Hilary avec une sorte d'amusement, se demandant s'il jugeait qu'une conversation anglaise correcte se devait de traiter principalement du temps. Non, il n'a pas neigé. Ils arrivèrent à Fès alors que la nuit était déjà tombée. « Permettez que je vous aide, madame ?» Hilary était debout, assise abasourdie par le raffut et le bruit de la gare. Des porteurs arabes se saisissaient de ses bagages en criant, en hurlant, en l'interpellant et en lui recommandant des hôtels. Elle se tourna d'un air reconnaissant vers son nouvel ami français. « Vous vous rendez au palais Jamaï, n'est-ce pas? C'est près de la vieille ville. C'est généralement là que l'on se rend pour se divertir et se reposer. C'était une ancienne résidence de la noblesse marocaine. Mais permettez, je vais vous appeler un taxi. » Le Français s'adressa dans un arabe rapide à l'un des porteurs et peu après, Hilary prit place dans un taxi. Il sortit rapidement une carte de sa poche et la lui tendit. « Si vous avez besoin de mon aide, quelle qu'elle soit, je me trouverai au Grand Hôtel durant les 4 prochains jours. » Il fit une courbette en soulevant son chapeau et s'éloigna. Hilary baissa les yeux sur la carte. « Monsieur Henri Laurier. »
Tandis que le taxi la conduisait avec brusquerie hors de la ville, Hilary se demanda si c'était là que son voyage allait diverger de la réalité et la faire entrer dans l'inconnu. Monsieur Laurier était-il un émissaire de l'organisation qui avait persuadé Thomas Betterton de quitter son travail, son foyer et sa famille? Finalement, le taxi l'amena, comme prévu, jusqu'au palais Jamail. Hilary descendit du véhicule et pénétra avec un frisson de plaisir dans le bâtiment au décor oriental. Du bureau de la réception, elle fut conduite à l'extérieur sur une terrasse, passa devant une rangée d'orangers et de fleurs parfumées et remonta un escalier en colimaçon avant d'entrer dans une chambre très agréable. Le dîner eut lieu à 19h30. Tandis qu'elle mangeait en silence, plusieurs personnes la dévisagèrent, dont un homme très âgé, au visage jaunâtre, avec un petit bouc blanc, soigné avec une déférence extrême. Hilary se demanda qui il était. La majorité des personnes présentes étaient de toute évidence des touristes. Il y avait une famille anglaise, différents groupes de touristes américains, trois familles françaises, un Allemand et un homme d'âge moyen avec une jeune fille blonde, très belle, qui avait l'air scandinave. Assise sur la terrasse le matin suivant, Hilary ressentit à quel point toute cette histoire était absolument incroyable. Elle se trouvait dans un endroit somptueux, se faisant passer pour une femme qui était morte dans l'attente que quelque chose d'extraordinaire se produise. Olive Betterton n'aurait-elle pas pu se rendre à l'étranger dans l'unique but de se distraire? Hilary se remémora les dernières paroles de la morte. Elle avait voulu mettre en garde Thomas Betterton contre un certain Boris. Son esprit avait divagué, elle s'était mise à citer quelques vers et avait murmuré ensuite qu'elle n'arrivait pas à le croire. Croire quoi? Que Thomas Betterton avait été influencé dans sa décision de s'enfuir? Hilary reporta son attention sur le jardin. Cet endroit était magnifique et paisible. Les enfants couraient le long de la terrasse. La jeune Suédoise, une actrice d'après ce que lui avait appris le serveur au petit déjeuner, était assise près d'une table et bâillait à s'en décrocher la mâchoire. Elle se saisit d'un rouge à lèvres pour rajouter une touche de couleur à ses lèvres déjà maquillées de façon exquise. À cet instant, son compagnon la rejoignit, un mania des affaires, toujours selon le même serveur. Puis le vieil homme au visage jaunâtre fit son apparition et vint prendre place à une table. Un serveur se précipita vers lui. Hilary commanda un martini et demanda au serveur à voix basse « Qui est cet homme ?»« C'est monsieur Aristides, » répondit-il d'un ton dramatique. « Il est immensément, mais alors immensément riche. » Hilary posa les yeux sur la silhouette flétrie et courbée de l'individu. Le vieil homme changea de position et croisa son regard l'espace d'un instant. Il la dévisagea brièvement, puis détourna les yeux. « Pas si insignifiant que ça, après tout, » pensa Hilary. Elle avait eu le temps d'apercevoir dans son regard une lueur vive d'intelligence. La plupart des gens partirent déjeuner, mais Hilary n'était pas pressé et commanda un autre verre. Un jeune Français séduisant sortit sur la terrasse, jeta un coup d'œil discret en direction d'Hilary et descendit dans le jardin. Ce faisant, il se mit à chantonner quelques phrases d'un opéra français, le long des lauriers roses, rêvant de douces choses. Laurier. Laurier ? C'était le nom de l'homme qu'elle avait rencontré dans le train. Y avait-il un lien ou bien s'agissait-il d'une pure coïncidence? Une ombre s'abattit sur elle et elle leva la tête en sursautant. Aristides se tenait entre elle et le soleil, regardant par-delà les jardins en direction des collines au loin. Il soupira, puis se tourna abruptement vers la salle de restaurant. Sa manche frôla la veste de Hilary et l'envoya s'écraser sur le sol de la terrasse. « Oh, mille pardons, madame !» Hilary l'assura en français et avec un sourire que cela n'était pas le moins du monde un problème.
D'un léger mouvement de l'index, le vieil homme appela un serveur et commanda une boisson de remplacement. Puis, tout en s'excusant à nouveau, Aristides se dirigea vers le restaurant. Le jeune Français, qui chantonnait toujours, remonta les marches. Il avança d'un pas traînant, peu discret, tandis qu'il passait devant Hilary. Mais comme elle n'envoyait aucun signe, quel qu'il soit, à son intention, il continua vers le restaurant avec un léger haussement d'épaule philosophe. Le serveur apporta un autre verre à Hilary et elle lui demanda si M. Aristides séjournait seul à l'hôtel. « Oh, madame, un homme aussi riche que lui ne voyage jamais seul. Son valet l'accompagne ainsi que deux secrétaires et un chauffeur. » Cependant, lorsque Hilary entra dans le restaurant, elle nota qu'une fois de plus, le vieil homme était assis seul à une table. L'après-midi passa, comme dans un rêve un peu flou. Tandis qu'elle se promenait dans les jardins parfumés, Hilary trouva l'atmosphère orientale et calme grandement satisfaisante. « Si seulement je pouvais rester ici pour toujours, » pensa-t-elle. Alors qu'elle ne cherchait plus la paix, elle l'avait enfin trouvée, et à un moment où elle était vouée à affronter l'aventure et le danger. Mais peut-être n'y avait-il aucun danger après tout. Peut-être resterait-elle ici un moment et que rien ne se passerait. Alors quoi? Une brise fraîche se leva et la fit frissonner. Elle préféra rentrer à l'hôtel. Dans la lumière du salon oriental, Mrs. Kelvin Baker, toute de blanc vêtue, était plus enjouée et plus volubile que jamais. « Je viens d'arriver par avion, » expliqua-t-elle. « Je ne supporte pas le train, il met toujours un temps fou. Et les gens, c'est très insalubre. Certains ne connaissent même pas le mot hygiène. À présent, dites-moi, avez-vous eu le temps de visiter un peu ?»« Je crains de ne vous décevoir, mais je suis simplement resté ici à prendre le soleil, » répondit Larry. « Ah oui, bien sûr, c'est vrai que vous venez de sortir de l'hôpital. » Seule une maladie récente était une excuse acceptable aux yeux de Mrs. Kelvin Baker pour ne pas aller faire le tour des monuments. « Dans quelque temps, nous pourrons faire quelques expéditions ensemble. J'aime les journées bien remplies, où tout est planifié et arrangé, où chaque minute est occupée à une chose. » Pour Hilary, cela semblait comme un avant-goût de l'enfer. Mais elle félicita Mrs. Kelvin Baker pour son énergie et, comme une mini-tornade, l'Américaine sortit de la pièce. Dans la salle de restaurant, le soir même, Hilary aperçut Miss Hetherington qui venait tout juste d'arriver à l'hôtel et après dîner, les trois femmes prirent un café ensemble. Miss Hetherington ne cacha pas son antipathie pour le magnat suédois et l'actrice blonde. « Ils ne sont pas mariés, j'ai cru comprendre, » souffla-t-elle, avec un air désapprobateur de circonstances. « On voit tellement de cas de ce genre à l'étranger. » Mrs. Kelvin Baker, quant à elle, commença à faire des projets pour le lendemain. « J'ai visité la vieille ville la dernière fois que je suis venue, » dit-elle, « c'est un vrai labyrinthe. Je me serais perdue sans un guide. Il m'a emmenée dans un endroit en haut d'une colline où j'ai dû boire un thé à la menthe horrible et où les gens voulaient me faire acheter toutes sortes de choses. » J'ai appris qu'il fallait savoir se montrer ferme. « Oui, en effet, » répondit Miss Hetherington avec tristesse. « Évidemment, on ne peut pas vraiment dépenser beaucoup d'argent pour acheter des souvenirs avec les restrictions que l'on impose en ce qui concerne les sommes pouvant être sorties d'Angleterre. » Le jour suivant, Miss Hetherington fut invitée par Mrs. Baker à se joindre à elle pour une expédition en voiture. Puisque son argent fondait à vue d'œil, elle accepta avec alacrité. Quant à Hilary, l'hôtel lui fournit un guide et elle se mit en route pour Fès. C'était comme plonger dans un autre monde, un monde peuplé de rues sinueuses et étroites où l'on pouvait occasionnellement entreapercevoir l'intérieur d'une cour. Tout autour d'elle, des hommes transportant des paquets, des femmes voilées et d'autres non, allaient et venaient. La vie active d'une ville mauresque s'étalait sous ses yeux. Très vite, elle oublia tout, sa mission, sa tragédie, elle-même. Elle ouvrit grand les yeux et les oreilles, progressant lentement dans ce monde de rêve. « À présent, intervint son guide, je vous emmène dans une magnifique maison. Vous pourrez y boire du thé vert et admirer de jolies choses. » Hilary se rappela les expériences de Mrs. Kelvin Baker.
mais s'autorisa à grimper le long du chemin tortueux en dehors des murs de la ville pour se rendre dans une maison de style ancien. Là, dans une grande pièce, d'où la vue était magnifique, on la pria de s'asseoir et de boire un délicieux thé à la menthe qu'elle apprécia presque. On lui montra des tapis, des perles, des draperies, ainsi que des broderies, et elle fit quelques petits achats. « Maintenant, je vous emmène faire une jolie promenade », annonça son guide infatigable, « pour voir de très beaux paysages. Mais avant, cette jeune fille va vous conduire aux toilettes. Elles sont très jolies », ajouta-t-il. La jeune fille, qui avait préparé le thé, sourit. « Oui, madame, ce sont de très jolies toilettes, comme celles de l'hôtel du Ritz. » Un léger sourire au bord des lèvres, Hilary suivit la jeune fille. Au moins, il y avait l'eau courante, et lorsqu'elle se fut lavé les mains et qu'elle les eut essuyées dans son mouchoir, elle se tourna pour sortir. Mais la porte des toilettes semblait coincée. Elle secoua la poignée, mais celle-ci ne voulait pas bouger. Hilary se demanda si elle avait été verrouillée de l'extérieur. Elle sentit la colère monter en elle. Où voulait-il en venir? Puis elle remarqua une autre porte dans ce coin. Celle-ci, contrairement à la précédente, s'ouvrit facilement. Après l'avoir franchie, Hilary se retrouva dans une petite pièce, éclairée uniquement à travers des fentes haut placées sur le mur. Assis sur un divan, fumant une cigarette, se trouvait le petit Français qu'elle avait rencontré dans le train, Monsieur Henri Laurier. L'homme ne se leva pas pour la saluer. « Bonjour, Mrs. Betterton, » articula-t-il à peine. Pendant quelques instants, Hilary demeura immobile. Le moment était donc venu. Elle se ressaisit vite, s'avança et répondit d'une voix impatiente « Vous avez des informations pour moi ?» Il hocha la tête avant de lâcher sur un ton de reproche « Madame, vous étiez quelque peu obtuse dans le train. Peut-être avez-vous trop l'habitude de parler du temps ?»« Du temps ?» Elle le dévisagea, perplexe. Qu'avait-il dit à ce sujet dans le train ? Qu'il faisait froid, qu'il y avait du brouillard, de la neige ? De la neige. C'est ce que Olive Betterton lui avait murmuré avant de mourir. Ça et ses vers étranges. « Neige, neige, magnifique neige », s'était mise à réciter la mourante. « Tu tombes et puis tu disparais. » Hilary se la répétait avec hésitation à présent. « Mais pourquoi ne m'avez-vous pas répondu plus tôt, comme nous vous l'avions ordonné ?»« Vous ne comprenez pas, j'ai eu un accident d'avion et je souffre d'une commotion. J'ai de terribles trous de mémoire. » Sa voix tremblait réellement. C'est effrayant. « Oui, » répondit Laurier d'une voix froide et professionnelle. « L'accident d'avion était malheureux. Avez-vous l'endurance nécessaire pour poursuivre votre voyage ?»« Bien sûr, » s'écria Hilary. « Mon mari, votre mari, » reprit-il avec un sourire inquiétant, « vous attend impatiemment. À présent, pour ce qui est des autorités britanniques, croyez-vous qu'ils ont découvert ce que vous savez ?» Hilary agita les mains, impuissante, « et comment le saurais-je ? Elle semblait satisfaite. » Elle poursuivit lentement, « je crois qu'il est fort possible que l'on m'ait suivi. J'ai le sentiment que l'on m'observe. » « Naturellement, » acquiesça Laurier d'un ton glacial. « Nous ne nous attendions pas à moins. Je pensais devoir vous prévenir. Ma chère Mrs. Betterton, nous ne sommes pas des enfants, nous savons ce que nous faisons. Bon, je suis désolé, » répondit Hilary humblement, « je suis très ignorante. Cela importe peu du moment que vous obéissez. » « Je le ferai, » répondit-elle dans un murmure. « Maintenant, » dit Laurier, « voici vos instructions, madame. Après-demain, vous vous rendrez à Marrakech comme convenu. Le lendemain de votre arrivée, vous recevrez un télégramme en provenance d'Angleterre. Ce qu'il dira, je ne le sais pas, mais ce sera suffisant pour que vous décidiez de rentrer. » « En Angleterre ?»« Je n'ai pas terminé. Vous réserverez un billet d'avion sur le vol partant de Casablanca le jour suivant. Il y aura des places, tout est arrangé. »« Avez-vous compris les instructions ?» Elle hocha la tête. « Alors retournez auprès de votre guide, je vous prie. »« Au fait, êtes-vous devenu ami avec une Américaine ou une Anglaise qui séjourne au Palais Jamaï ?»« Oui, n'aurais-je pas dû ? J'ai eu du mal à l'éviter. » »« Ce n'est pas une erreur, au contraire. » Si vous pouvez persuader l'une ou l'autre de vous accompagner jusqu'à Marrakech, ce sera encore mieux. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Il est peu vraisemblable, conclut Laurier, avec un total manque d'intérêt,
que nous nous rencontrions à nouveau. « Alors, vous partez demain pour Marrakech ?» dit Miss Hetherington. « Oui, répondit Hilary. Il y a un peu trop de monde ici. »« Très peu d'anglais, en tout cas, » répondit Miss Hetherington d'un ton désolé. « On ne rencontre pratiquement aucun de nos concitoyens. » Elle regarda autour d'elle d'un air désespéré et ajouta « Ce sont des Français, pour la plupart. » Hilary sourit légèrement. Miss Hetherington considérait de toute évidence les hôtels à l'étranger comme le privilège des touristes anglais. « Des Français, mais aussi des Allemands et des Grecs, » dit Mrs. Kelvin Baker avec un gloussement. « Ce petit homme peu soigné est grec, je crois. Il semble être quelqu'un d'important à en juger par la façon dont le serveur est toujours à s'affairer autour de lui. » « De nos jours, on ne prête pratiquement plus attention aux Anglais, » poursuivit Miss Hetherington, l'air sombre, « et nous avons les chambres qui donnent sur l'arrière, là où la vue est moins belle. »« Eh bien, depuis que je suis au Maroc, je n'ai jamais rien trouvé à redire sur le confort, » dit Mrs. Kelvin Baker. « Vous êtes américaine, » répondit Miss Hetherington, venimeuse, ses aiguilles à tricoter s'entrechoquant furieusement. « Si seulement je pouvais vous convaincre de m'accompagner à Marrakech, » soupira Hilary. « J'y suis déjà allé, » s'exclama Miss Hetherington. « Moi, je serais ravi d'y retourner, » répondit Mrs. Baker. « Je pourrais vous faire visiter et vous empêcher que l'on vous impose de faire certaines choses. Je vais voir comment je peux m'arranger. » Lorsqu'elle fut partie, Miss Hetherington ajouta d'un ton acide typiquement américain, courant de place en place, ne restant jamais longtemps au même endroit. Elle se leva, rassembla son tricot, et après avoir salué Hilary d'un petit signe de la tête, elle quitta la pièce. Hilary resta assise toute seule, réfléchissant à l'avenir. Elle était sur le point de commencer son véritable voyage. Elle devait se montrer très prudente. Elle devait être Olive Betterton, une femme modérément bien élevée, sans aucun don artistique, conventionnel et dévouée à son époux. Elle avait l'impression d'être entrée dans un monde de mystère et d'enchantement. Si elle frottait cette lampe en cuivre, un bon génie apparaîtrait-il ? Elle sursauta, tandis que le petit visage ridé de M. Aristides se matérialisait soudain derrière la lampe. « Vous permettez ?» Il fit une courbette et s'assit à côté d'elle. « Vous aimez ce pays, madame ? » demanda-t-il. Hilary sourit. « Oui, je le trouve très enchanteur. La vieille ville est magnifique. Vous savez à quoi je pense lorsque je me promène dans les rues de Fès ? À la Great West Road de Londres, à tous les bâtiments avec leurs éclairages au néon et ces gens à l'intérieur que l'on voit en passant en voiture. Il n'y a rien de caché, rien de mystérieux. Ils doivent travailler avec tout ce monde qui les observe. » Monsieur Aristides hocha la tête. Dans les rues de Fès, tout est caché, sombre, mais... Il se pencha en avant et tapa sur la table basse. Mais la vie continue. Les mêmes cruautés et oppressions, le même souhait d'avoir le pouvoir, le même marchandage. « Vous croyez que la nature humaine est la même partout ?» demanda Hilary. « Dans chaque pays, dans le passé comme dans le présent, il y a toujours deux choses qui dominent, la cruauté et la bienveillance, l'une ou l'autre, quelquefois les deux. » Il poursuivit, en changeant à peine d'attitude. « On m'a rapporté, madame, que vous aviez eu un très grave accident à Casablanca. » Elle acquiesça d'un signe de la tête. « Je vous envie, » répondit l'homme de manière inattendue. Hilary le dévisagea, surprise. « Oui, je vous envie, » reprit-il en secouant la tête avec véhémence. « J'aimerais vivre cette expérience, celle de frôler la mort et d'avoir survécu. Ne vous sentez-vous pas différente depuis, madame ?»« D'une manière plutôt malheureuse, » répondit Hilary. « J'ai une commotion qui me donne de terribles migraines et qui affecte ma mémoire. »« Ce ne sont que de petits inconvénients, » répondit M. Aristides en agitant la main. « C'est vrai, » songea Hilary lentement, repensant à la bouteille d'eau et au petit tas de somnifères. J'ai vécu beaucoup de choses, mais rien qui ne soit comparable avec ceci, » fit M. Aristides d'un ton insatisfait. « Mes hommages, madame, » dit-il en se levant et en faisant une courbette.
puis il partit. Les aéroports se ressemblent tous tellement, songea Hilary, tandis qu'elle regardait tout autour d'elle dans la salle d'embarquement. Mrs. Kelvin Baker avait décidé d'accompagner Hilary jusqu'à Marrakech et n'avait pas arrêté de parler depuis. Elle était actuellement en pleine conversation avec deux autres voyageurs assis à leur côté. Il s'agissait de deux jeunes hommes, grands et blonds, un Danois à l'air solennel et un Norvégien qui parlait de manière assez hautaine, un anglais prudent. Près d'eux se trouvait un Américain avec un large sourire amical, clairement ravi d'avoir trouvé un de ses compatriotes. Mrs. Kelvin Baker se tourna vers Hilary. « Monsieur, j'aimerais vous présenter mon ami, Mrs. Betterton, Andrew Peters, mais tous mes amis m'appellent Andy. » L'autre jeune homme se leva, fit une courbette un peu tendue et se présenta à son tour, Torkil Erickson. « Bien, maintenant les présentations sont faites, » fit Mrs. Baker d'un ton enjoué. « Vous rendez-vous tous à Marrakech ? C'est la première visite de Mrs. Betterton. » « Pour moi également, » répondit Erickson, « c'est la première fois. »« Pour moi aussi, » ajouta Peters. Près de Peters et Erickson, deux autres passagers attendaient également pour embarquer, un grand Français maigre et une nonne à l'air sévère. C'était une journée claire et ensoleillée, et les conditions de vol étaient bonnes. S'adossant à son siège, les paupières à demi-closes, Hilary étudia ses compagnons de voyage. Mrs. Kelvin Baker était en grande discussion avec Peters, le jeune Américain à l'air enjoué qui répondait énergiquement, affichant un large sourire de bonne humeur. Erickson, le Norvégien, était absorbé dans la lecture d'un magazine. Le Français, maigre et brun, semblait endormi. La nonne au visage sévère était assise derrière elle, et tandis que Hilary se retournait pour regarder par-dessus son épaule, elle croisa son regard impersonnel, insistant et impassible. Aux yeux de Hilary, c'était une chose étrange de voir une femme vêtue d'un habit médiéval traditionnel voyager par avion au XXe siècle. Six personnes, songea Hilary, voyageant ensemble pendant quelques heures, puis se séparant ensuite pour ne plus jamais se revoir. Le Français, se dit-elle, doit être en vacances. Le jeune Américain est peut-être étudiant. Erickson se rend probablement là-bas pour son travail et la nonne est sans aucun doute liée par des obligations pour son couvent. Hilary ferma les yeux et oublia ses compagnons de voyage, perplexe à nouveau devant les instructions qu'on lui avait données. Elle devait retourner en Angleterre. Ne lui faisait-on pas confiance ? Avait-elle échoué dans sa mission et n'avait-elle pas réussi à convaincre autant que la véritable Olive l'aurait fait ? Ou bien était-ce un moyen de détourner les soupçons ? Son retour abrupt prouverait certainement qu'elle ne s'était pas rendue au Maroc pour disparaître comme son mari. Elle devait rentrer en passant par Paris, la ville où Thomas Betterton avait disparu. Peut-être n'en était-il jamais parti. Fatiguée de toutes ces spéculations, elle s'endormit, puis fut soudain réveillée tandis que l'avion perdait de l'altitude et décrivait des cercles. Elle jeta un œil à sa montre. Assurément, ce ne pouvait pas être déjà l'heure de l'atterrissage. L'avion descendit encore plus bas. La région semblait pratiquement déserte, aucun signe de maison ou de village. Les roues de l'appareil heurtèrent le sol, rebondissant sur quelques mètres avant de s'immobiliser enfin. Ils avaient atterri au milieu de nulle part. Le pilote sortit de sa cabine, ouvrit la porte arrière et fit descendre une petite échelle. « Veuillez sortir, s'il vous plaît. » Frissonnant, tous s'exécutèrent. Au loin, les montagnes étaient recouvertes de neige et d'une beauté unique. « Mais pourquoi avons-nous atterri ici ?» demanda Hilary, étonnée. « D'après ce que j'ai compris, un camion doit venir nous chercher, » répondit le Français. Le pilote indiqua du doigt un petit point à l'horizon qui se rapprochait de plus en plus. C'était en effet un camion qui avançait en trombe.
le chauffeur berbère arrêta l'engin en faisant grincer les freins et entama une conversation avec le pilote. « Ne perdons pas de temps, » déclara Mrs. Baker en français, à la grande surprise de Hillary. Le conducteur haussa les épaules et, en compagnie du pilote, Erickson et Peters sortirent une large et lourde caisse de l'arrière du véhicule. Tandis que les hommes commençaient à en soulever le couvercle, Mrs. Kelvin Baker posa la main sur le bras de Hillary. « Si j'étais vous, je ne regarderais pas, » dit-elle. « Ce n'est jamais joli à voir. » Elle conduisit Hillary un peu plus loin et le Français ainsi que Peters les accompagnèrent. « Êtes-vous le docteur Baron ?» demanda Mrs. Baker en se tournant vers le Français. Il acquiesça d'un signe de la tête. « Ravi de faire votre connaissance, » dit-elle, telle une hôtesse l'accueillant à une fête. « Mais je ne comprends pas, » intervint Hillary d'un ton perplexe. « Qu'y a-t-il dans cette caisse ?» Andy Peters la regarda d'un air songeur. Il avait un beau visage où se reflétait une certaine honnêteté, remarqua-t-elle. « Ce n'est pas très joli, » répondit-il, « mais je crois que c'est nécessaire. Ce sont des corps à l'intérieur. »« Des corps ?» s'écria-t-elle sans quitter des yeux. « Oh, rassurez-vous, ils n'ont pas été assassinés. Ils ont été obtenus de manière légitime pour la recherche médicale. Voyez-vous, Mrs. Betterton, c'est ici que le voyage se termine. Le premier, en tout cas. Ils vont arranger les corps dans l'avion et ensuite, alors que nous nous éloignerons, le pilote y mettra le feu. Un autre avion se sera écrasé et il n'y aura aucun survivant. « Mais pourquoi ?» demanda Hillary. Le docteur Baron se joignit à la conversation. « Vous savez certainement où nous nous rendons. » Mrs. Baker, se rapprochant, dit d'un ton joyeux, « Bien évidemment qu'elle le sait, mais peut-être qu'elle ne s'attendait pas à ce que cela arrive si tôt. » Hillary marqua une pause avant de reprendre. « Mais vous voulez dire que nous allons tous ensemble au même endroit ?»« Oui, » répondit Peters d'une voix calme. « Nous sommes compagnons de route. » Hillary eut un mouvement de recul. Elle posa sa main nerveusement sur sa gorge et son collier de perles se cassa sous la force de ses doigts. Elle ramassa les perles et les enfonça dans sa poche avant de rejoindre les autres dans le camion. « Êtes-vous ce qu'on pourrait appeler l'officier de liaison, Mrs. Baker ?» demanda-t-elle en se tournant vers elle. « C'est exactement ça. Une touriste américaine passe toujours inaperçue par ici. » Hillary la trouva légèrement différente tout à coup. Elle n'était plus aussi futile et volubile, mais efficace et probablement sans pitié. « C'est sensationnel !» s'exclama Mrs. Baker avec une certaine joie. « D'abord, vous avez failli perdre la vie dans un accident d'avion à Casablanca, et ensuite, vous mourrez dans celui-ci. » Hillary réalisa à quel point ce plan était ingénieux. « Et les autres ? Sont-ils qui ils disent être ?»« Voyons, oui, » répondit Mrs. Baker. « Le docteur Baron est bactériologiste, M. Erickson est un brillant physicien, M. Peters est chimiste et Miss Nidheim, bien évidemment, n'est pas nonne, mais endocrinologiste. Quant à moi, je ne suis qu'un officier de liaison, je n'appartiens pas au monde scientifique. » Elle éclata de rire. Cette Miss Hetherington ne faisait pas le poids. Miss Hetherington ? Mrs. Baker hocha la tête. Je crois qu'elle vous suivait, et ce, depuis Casablanca. Mais elle a refusé de nous accompagner, objecta Hillary. Ça ne collait pas avec son personnage, répondit Mrs. Baker. Non, elle aurait envoyé un message, et quelqu'un d'autre aurait pris le relais à votre arrivée à Marrakech. Encore faudrait-il que vous arriviez, la bonne blague. Le bruit léger d'une explosion arriva jusqu'aux oreilles de Hillary. Peters éclata de rire. Et 6 personnes viennent de perdre la vie dans un accident d'avion à Marrakech. C'est assez effrayant, murmura Hillary, presque dans un souffle. De plonger dans l'inconnu ? Demanda Peters, en reprenant son sérieux. Oui, mais c'est la seule solution, expliqua-t-il. Son visage s'illuminant soudain avec enthousiasme. « Nous devons nous défaire de toutes ces mauvaises choses du passé.
les gouvernements corrompus et les bellicistes. Nous devons nous construire un nouveau monde, le monde de la science, lavé de tout, complètement propre. Hilary prit une profonde inspiration. C'est exactement ce que mon mari avait l'habitude de dire, fit-elle délibérément. Votre mari ? S'agissait-il de Tom Betterton ? Hilary hocha la tête. « C'est génial !» s'exclama Peters. « Je ne l'ai jamais rencontré, mais j'ai failli plus d'une fois. Il a travaillé avec le vieux Mannheim, n'est-ce pas ?» Il éclata de rire. Il s'est évaporé d'une conférence à Paris et depuis, envolé. « Bon sang, on peut dire qu'il savent y faire. » Hilary approuva. L'excellence de l'organisation lui fit tout à coup froid dans le dos. Tout ce qui avait été soigneusement planifié, les codes et les signes étaient inutiles à présent car il n'y aurait aucune piste à suivre. Rien d'autre que les cendres d'un avion. « Je me demande où nous allons à partir d'ici ?» s'interrogea Peters avec impatience. Hilary se posa la même question. Elle se tourna vers Mrs. Baker. « Oui, que se passe-t-il ensuite » demanda-t-elle, essayant de rendre le ton de sa voix également impatient. « Vous verrez, » répondit l'Américaine d'un ton inquiétant. Ils se mirent finalement en route. La nuit tomba, tandis qu'ils roulaient toujours. La route était mauvaise, tantôt sur des chemins de terre, tantôt en rase campagne. Pendant longtemps, Hilary resta éveillée, mais l'épuisement finit par avoir raison d'elle. Elle fut brusquement réveillée lorsque le véhicule s'arrêta. Peters la secoua doucement par le bras et tout le monde descendit de voiture, engourdi et épuisé. Il faisait encore sombre, mais ils aperçurent une maison entourée de palmiers. Une fois à l'intérieur, les trois femmes furent conduites dans une petite pièce à l'étage peu meublée, avec trois matelas disposés sur le sol. Mrs. Baker s'étira. « Ça vous engourdit comme un rien, toute cette route. »« L'inconfort importe peu, » répondit la nonne, dans un anglais courant, mais avec un fort accent. « Vous jouez votre rôle à merveille, Miss Needham, » commenta Mrs. Baker d'un ton approbateur. « Je n'ai aucun mal à vous imaginer dans un couvent, agenouillé sur le sol dur à 4 heures du matin. » »« La chrétienté a fait passer les femmes pour des imbéciles, » dit Miss Needham en souriant avec mépris. Les femmes païennes sont fortes et conquérantes, et pour atteindre ces buts, il faut savoir tout supporter. Deux femmes berbères entrèrent dans la pièce avec de la nourriture, une bassine pleine d'eau et une serviette. L'une d'elles toucha le manteau de Hilary, caressant le tissu avec curiosité. « Comme elles sont agaçantes !» s'exclama Mrs. Baker. « Je suppose que les enfants et les vêtements sont leurs seuls intérêts dans la vie. » « Elles ne sont faites que pour ça, » répondit Miss Needham. « Elles appartiennent à la race des esclaves. Elles ne savent rien faire d'autre en dehors de servir leur maître. »« N'êtes-vous pas un peu dur ?» dit Hilary, irritée. « Je ne suis pas du genre à faire dans les sentiments. Il y a ceux qui dominent, rares, et il y a tous les autres qui servent. » Mrs. Baker intervint. « Nous avons tous nos propres idées sur ces sujets, je crois, mais ce n'est pas le moment d'en parler. Nous devrions nous reposer. » Le matin suivant, elles se réveillèrent tard et trouvèrent trois petits tas de vêtements. « Nous allons nous faire passer pour des gens d'ici pour la prochaine étape, » expliqua Mrs. Baker. « Nous allons laisser nos propres vêtements ici. » Transformées en marocaines, assises sur le toit plat d'une maison isolée, elles observaient un village un peu plus loin. Tout semblait étrangement irréel. Hilary étudia Miss Needham, une femme plus jeune qu'elle ne l'avait pensé, peut-être 33 ou 34 ans, une apparence soignée, mais des yeux froids, dans lesquels brûlait une lueur de fanatisme assez repoussante. Son discours était brusque et sans compromis, et elle avait une arrogance qu'Hilary trouvait très irritante. Elle était de toute évidence impatiente de poursuivre son voyage et n'avait pas le moindre intérêt pour ses deux compagnes. Étrangement, Hilary ressentait plus de sympathie pour les deux femmes berbères et gloussantes qui leur apportaient leur nourriture. Elle trouvait plus difficile de juger Mrs. Baker.
le comportement de l'Américaine ressemblait à celui d'un robot dont il était parfait. Ses remarques étaient normales, naturelles, mais elle agissait par automatisme. Qui était Mrs. Kelvin Baker, se demandait Hillary. Était-elle, elle aussi, une fanatique? Rêvait-elle d'un nouveau monde? Éprouvait-elle une révolte violente contre le système capitaliste? Ce soir-là, ils reprirent tous leur voyage, cette fois-ci dans un car de tourisme. Tout le monde était vêtu d'un habit traditionnel, les hommes portaient des djellabas et les femmes étaient voilées. Ils roulèrent toute la nuit et, alors que le soleil se levait à peine, ils s'arrêtèrent pour prendre un petit déjeuner. « Comment vous sentez-vous, Mrs. Betterton ?» Hillary adressa un sourire à Andy Peters. « Je me sens comme dans un rêve, » répondit-elle. « Savez-vous où nous sommes? C'est désertique par ici. » Il haussa les épaules. « Oui, mais c'est exactement ce qu'il faut, n'est-ce pas? Tout ceci doit être soigneusement pensé pour ne laisser aucune trace. Chaque étape doit être complètement indépendante de l'autre. Mais où allons-nous ? Inutile de le demander. Nous le découvrirons le moment venu. » Le Français se joignit à la conversation. « Oui, dit-il, il a raison. » Il agita les mains avec passion. « Ensuite, j'aurai enfin ce que je veux, libérer des imbéciles, libérer des économies incessantes, libérer de toutes les restrictions budgétaires qui entravent le travail des gens. La bactériologie nécessite de la patience et de l'argent, beaucoup d'argent. Lorsqu'on a tout ce que l'on veut, tout ne devient-il pas possible ?»« Le bonheur également ?» demanda Hillary. « Le bonheur individuel ne compte pas, » répondit Peters avec sérieux. « C'est du bonheur collectif dont il faut se préoccuper. C'est uniquement lorsque les travailleurs, libres et unis, posséderont les moyens de produire qu'ils seront libérés des bellicistes et des hommes avides et insatiables qui dirigent le monde. La science est pour tout le monde et ne doit pas être gardée jalousement par un pouvoir ou un autre. » « Vous avez raison, » commenta Erickson d'un air appréciateur. « Les scientifiques doivent être des maîtres. Ils doivent contrôler et dominer. Eux et eux seuls appartiennent à une race supérieure. Il n'y a qu'eux qui comptent. Même si les esclaves sont bien traités, il n'en reste pas moins des esclaves. » Hillary s'éloigna du groupe. Après quelques minutes, Peters la suivit. « Vous avez l'air un peu effrayé, » dit-il avec humour. « Je crois que je le suis. » Elle se mit à rire à bout de souffle. « Je ne me sens vraiment pas à ma place. Je ne suis qu'une femme qui va rejoindre son époux. »« Vous aimez énormément votre mari ? Serais-je ici si ce n'était pas le cas ? Je ne crois pas. Vous partagez son point de vue ? J'ai cru comprendre qu'il était communiste. » Hillary évita une réponse directe. « En parlant de communisme, y a-t-il quelque chose au sujet de notre groupe qui vous a semblé étrange ? » dit-elle. « Comment ça ? Eh bien, nous sommes voués à nous rendre au même endroit. Mais nos points de vue ne semblent pas vraiment être les mêmes. Je ne pense pas que le docteur Baron ait un avis politique quel qu'il soit. Il veut seulement de l'argent pour ses expériences. Helga Nidheim parle comme une fasciste, pas une communiste. Et Erickson... » Elle s'interrompit. « Je trouve Erickson effrayant. Son étroitesse d'esprit me paraît dangereuse. » Il ressemble à ces scientifiques fous qu'on voit dans les films. Moi, je crois en la fraternité humaine. Et vous êtes une femme aimante, dit Peters. Que pensez-vous de Mrs. Kelvin Baker? Je ne sais pas. Elle est plus difficile à situer que quiconque. Ou je dirais qu'elle n'est là que pour l'argent. Elle me fait peur, dit Hillary en frissonnant. Elle est si ordinaire. Et cependant, elle est impliquée dans toute cette histoire. Il faisait encore un peu froid et ils se mirent à faire les 100 pas pour se réchauffer. Peters sortit un étui à cigarette de sa poche et lui en proposa une. « Quel étui curieux !» s'exclama Hillary, tandis qu'elle prenait une cigarette. « Comme il est lourd !»« Il est fait en plomb. C'est un souvenir de guerre. Un morceau de bombe qui a failli me tuer. » « Vous avez fait la guerre, hein ?»« Je m'occupais des préparations et des vérifications de matériel, » expliqua-t-il. « Mais ne parlons plus de ça, concentrons-nous sur demain. » Il se pencha pour ramasser quelque chose.
Tenez, vous avez fait tomber ça. » Hilary le lui prit des mains. « Oh, c'est une perle de mon collier. Je l'ai cassée hier. Aimez-vous que l'on vous force à faire des choses, qu'on vous donne des ordres sans que vous ayez jamais votre mot à dire ?» demanda-t-elle soudain, en changeant de sujet. « Je suis prêt à l'accepter si c'est nécessaire. Et c'est nécessaire. Nous devons avoir un monde en paix, un monde discipliné, un monde ordonné. Nous devons nous débarrasser de la boue dans laquelle nous vivons. » Envahi par la fatigue, par la solitude et la beauté étrange des premières lueurs du matin, Hilary faillit se laisser emporter par la dénégation, mais se ressaisit à temps. Au lieu de cela, avec un enthousiasme délibéré et contenu, elle ajouta « Comme vous avez raison, c'est la fatigue qui prend le dessus. Nous devons obéir et aller de l'avant. » Peters lui adressa un large sourire. « Je préfère ça, » dit-il. Un rêve. Voilà à quoi cela ressemblait. Hilary avait l'impression qu'elle avait voyagé toute sa vie avec ses 5 compagnons étrangement assortis. Ils étaient tous, supposait-elle, des agents libres. Ils n'avaient commis aucun crime. Ils n'étaient pas recherchés par la police. Cependant, de gros efforts avaient été nécessaires pour couvrir leurs pistes. C'était comme s'ils étaient en train de devenir quelqu'un d'autre. Ce qui était vrai au sens propre du terme en ce qui la concernait, elle était véritablement devenue Olive Betterton. Chaque jour, les slogans politiques venaient plus facilement à ses lèvres et elle se sentait devenir plus crédible. Elle n'avait pas peur de ses compagnons, malgré leur intensité brûlante et étrange. Leur but unique fixé dans leur esprit étroit et terrifiant. Chacun d'eux, pensait-elle, était un idéaliste passionné. Le docteur Baron lui parla un jour des pouvoirs de destruction qu'il pourrait utiliser sur un vaste continent. « Pourriez-vous réellement faire ça ?» avait-elle demandé. Il l'avait regardé, légèrement surpris. « Oui, bien sûr, si cela était nécessaire. » Ce serait merveilleux de voir l'évolution, le progrès exact. Il y a tant encore à savoir, à découvrir. L'espace d'un instant, Hilary le comprit, elle fut imprégnée de ce désir de connaissance qui vivait en lui. Envers Helga Nidheim, elle ressentait plus d'antagonisme. L'arrogance de la jeune femme la révoltait. Peters, elle l'appréciait, même si elle était repoussée et écœurée par la lueur de fanatisme occasionnel qui brillait dans ses yeux. « Ce n'est pas un monde nouveau que vous voulez créer, » lui dit-elle un jour. « C'est détruire l'ancien qui vous réjouirait. »« Vous vous trompez, Olive, » répondit-il. « Non, je ne crois pas. Il y a de la haine en vous, je la sens. De la haine, le souhait de tout détruire. » Erickson était un rêveur. « Nous devons conquérir le monde, » expliqua-t-il. « Ensuite, nous pourrons le dominer. »« Nous ? Oui, nous. Les rares personnes à en être capables, les cerveaux. » Elle se tourna vers Mrs. Kelvin Baker. Dans son cas, il n'y avait ni fanatisme, ni haine, ni rêve, ni arrogance, ni aspiration. C'était une femme sans cœur et sans conscience, un instrument efficace de la grande force inconnue. Où tout ceci conduit-il ? Songea Hilary. Ces gens sont fous, mais ils vont tous vers des buts différents, des mirages différents. Oui, c'est le mot qui convient, mirage. À la fin du troisième jour, ils arrivèrent à un petit hôtel où ils revêtirent leurs habits européens. Aux premières lueurs de l'aube, Mrs. Baker la réveilla. L'avion nous attend. Nous retournons au mode de transport civilisé, Dieu merci. Ils survolèrent les montagnes, puis, tôt dans l'après-midi, ils se posèrent sur un petit terrain d'atterrissage privé. 2 grosses voitures attendaient, un chauffeur pour chacune. « Le voyage est terminé, » annonça Mrs. Baker d'un ton enjoué. Hilary la dévisagea, mais nous n'avons pas traversé la mer. Mrs. Baker
eut l'air amusé. On raconte des bêtises au sujet du rideau de fer. Les gens ne se rendent pas compte qu'il n'a pas d'emplacement défini. Elle jeta un œil à sa montre. « Bien, dit-elle, c'est ici que nous nous séparons. »« Vous retournez au Maroc ?» demanda Hilary, surprise. « Impossible. N'oubliez pas que je suis supposé avoir brûlé dans un accident d'avion. Non, je vais m'occuper d'une autre affaire à présent. Quelqu'un pourrait encore vous reconnaître, » fit remarquer Hilary. « Oh, j'ai un nouveau passeport. Je n'aurai aucun mal à leur faire croire que ma sœur, Mrs. Kelvin Baker, à qui je ressemblais beaucoup, a perdu la vie dans un terrible accident. Et pour les autres, toutes les Américaines se ressemblent. » Oui, pensa Hilary. C'était comme si elle avait délibérément gommé toutes ces caractéristiques qui font que l'on différencie une personnalité d'une autre. Alors adieu. J'espère que vos retrouvailles avec votre mari seront agréables, Mrs. Betterton. Je ne sais même pas dans quelle partie du monde je me trouve, répondit Hilary, avec un sentiment d'impuissance. Oh, ce n'est pas utile pour l'instant. Un endroit éloigné dans le Haut Atlas. Vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Mrs. Baker salua les autres, puis, avec un ultime signe de la main plein d'entrain, elle traversa le tarmac pour se diriger vers l'avion qui l'attendait. Un léger frisson parcourut Hilary. Peters s'en rendit compte. Le point de non-retour, murmura-t-il. Le docteur Baron hocha la tête. Avez-vous encore la force de continuer, madame ? « Où voulez-vous retourner dans ce monde que vous avez quitté ?»« Bien sûr que oui, j'en ai encore la force, » répondit Hilary sèchement. « Ici, il n'y a pas de place pour les femmes faibles, » intervint Helga Nidheim avec un ton de reproche. « Elle n'est pas faible, » s'interposa le docteur Baron. « Elle se pose des questions que toute femme intelligente se poserait. » Il insista en prononçant le mot « intelligente », mais l'Allemande, sûre d'elle, ne fut pas le moins du monde affectée. Elle méprisait tous les Français. Lorsqu'on atteint enfin la liberté, dit Erickson, peut-on jamais envisager de faire marche arrière? Mais s'il n'est pas possible de faire marche arrière ou de choisir de faire marche arrière, alors ce n'est pas la liberté, s'écria Hilary. Un employé vint leur annoncer que les voitures étaient prêtes à partir. Hilary s'assit sur le siège avant et entama une petite conversation désinvolte avec le chauffeur. Est-ce que la route est longue? Demanda-t-elle. Pour aller jusqu'à l'hôpital? 2 heures, sans doute. L'hôpital? Hilary fut surprise par sa réponse. Elle avait remarqué que Helga et Nidheim s'étaient changés et avaient revêtu un habit d'infirmière à l'auberge. Tout prenait sens. Parlez-moi de cet endroit. Ah, madame, c'est magnifique, s'exclama-t-il avec enthousiasme. « Beaucoup de docteurs viennent le visiter et tous s'en vont en ne tarissant pas d'éloges à son sujet. C'est une grande chose pour l'humanité. Ce nouveau traitement du docteur Coligny guérit un grand pourcentage de gens, même ceux qui sont déjà presque morts. »« Ça me semble un endroit bien désert pour y installer un hôpital, » commenta Hilary. « Mais dans de telles circonstances, il vaut mieux être seul. »« Et puis, les autorités ont insisté sur ce point, » fit-il remarquer. « Voilà le bâtiment, droit devant. » Ils entamaient l'ascension d'une chaîne de montagnes. D'un côté, il y avait un terrain plat, adossé à une colline, et de l'autre, un long bâtiment blanc, lumineux. « Quelle réussite, » dit le chauffeur, « d'avoir fait construire un bâtiment ici. Nous devons beaucoup aux riches philanthropes, vous savez. Notre patron est l'un des hommes les plus riches de ce monde. Cet endroit est une vraie réussite en matière de soulagement de la douleur humaine. » Ils remontèrent un petit chemin sinueux et s'arrêtèrent devant de grandes grilles en fer qui s'ouvrirent rapidement. Une silhouette vêtue de blanc, avec un visage noir souriant, s'avança, fit une courbette et les pria d'entrer. D'un côté, encadré par une haute grille de barbelés, des hommes arpentaient une cour immense. Hilary laissa échapper un cri. « Mais ce sont des lépreux !» s'exclama-t-elle. « Des lépreux !» Un frisson d'horreur la traversa. Les grilles de la colonie lépreuse se refermèrent derrière eux avec une note terrible de fatalité. Abandonnez tout espoir, semblait-elle dire, vous tous qui pénétrez ici. C'est la fin, se dit Hilary. Toute marche arrière
était à présent impossible. Elle était seule au milieu d'ennemis et elle serait vite confrontée à la découverte et à l'échec. Jessop lui avait dit que le danger serait plus grand lorsqu'elle arriverait jusqu'à Thomas Betterton. Il avait espéré pouvoir la protéger, mais cet espoir, Hilary le comprenait à présent, n'avait pas réussi à se matérialiser. Elle avait joué avec la vie et la mort. Jessop ne lui avait pas menti sur les risques qu'elle encourait, mais désormais, elle ne voulait pas mourir. Elle voulait vivre. « Mais ce n'est pas ma femme !» s'écrierait Betterton, et tout serait terminé. Les regards se tourneraient vers elle, tous comprendraient qu'une espionne était parmi eux. Supposons qu'elle se mette à crier avant que Tom Betterton puisse dire quoi que ce soit. « Qui êtes-vous ? Vous n'êtes pas mon mari. » Si elle pouvait feindre l'indignation et le choc de manière suffisamment crédible, cela sèmerait-il le doute ? Ce serait un coup dur pour Betterton, mais après tout, c'était un traître désirant vendre les secrets de son pays. Avec ce sentiment étourdissant, Hilary revint à la réalité. Le petit groupe avait été accueilli par un grand homme séduisant qui leur faisait maintenant face. « Ah, Mrs. Betterton, bienvenue. Votre mari vous attend avec impatience. Ce doit être la même chose pour vous. » Son regard pâle était glacial. De plus en plus étourdie, elle avait l'impression que le groupe autour d'elle avançait et reculait comme les vagues de la mer. Andy Peters la retint pour ne pas qu'elle tombe. « Mrs. Betterton a eu un terrible accident, » expliqua-t-il à leur hôte. « Ce voyage ne lui a pas fait le plus grand bien. Elle ferait mieux de s'allonger. » Hilary sentit la gentillesse qui se dégageait de sa voix et songea à remettre le moment de la révélation de son identité un peu plus tard. Puis le courage lui revint. Si ce devait être la fin, elle devait être réussie. Elle mentirait avec assurance, sans crainte, et dirait à Betterton, « Bien sûr que non, je ne suis pas votre femme. Elle est morte et m'a fait promettre de vous livrer son dernier message. Vous voyez, je suis là pour compatir avec vous. Je veux vous aider. » Ceci était bien mince, mais si quelqu'un mentait avec suffisamment d'assurance, en tout cas, elle ne risquait rien à essayer de se battre. Elle se redressa, se libérant doucement du soutien de Peters. « Oh non, il faut que je voie Tom tout de suite, » dit-elle, « s'il vous plaît. » L'homme se tourna vers une jeune fille maigre à lunettes qu'ils avaient rejoint. « Miss Jensen, veuillez mener tout le monde au registre. » « Je vais conduire Mrs. Betterton jusqu'à son mari. » Il se mit en route et Hilary le suivit. Au détour d'un passage, elle jeta un dernier coup d'œil par-dessus son épaule. Andy Peters ne la quittait pas des yeux. Il avait l'air perplexe et triste. Il avait dû se rendre compte que quelque chose n'allait pas et elle pensa avec un frisson « C'est peut-être la dernière fois que je le vois. » Le grand individu parlait d'un ton enjoué. « Je crains que vous ne trouviez nos bâtiments un peu confus dans un premier temps. Il y a tant de couloirs qui se ressemblent. » « C'était comme dans un rêve, » songea-t-elle. « Un rêve meublé de couloirs blancs et propres que l'on arpentait pour toujours en ne trouvant jamais son chemin. » « Je ne pensais pas me retrouver dans un hôpital, » annonça-t-elle. « Non, comment auriez-vous pu le savoir ?» J'allais oublier, je m'appelle Paul Van Heyden. Tout ceci est un peu étrange, les lépreux. Oui, cela contrarie les nouveaux arrivants, mais vous vous y habituerez. Nous montâmes plusieurs marches, puis nous dirigeâmes vers d'autres couloirs blancs immenses, jusqu'à ce que Van Heyden s'arrête devant une porte. Il l'ouvrit en s'exclamant haut et fort, « Ah, Betterton, nous y voilà enfin !» « Votre femme !» Hilary pénétra dans la pièce. Elle ne recula pas, ne se replia pas sur elle-même, leva le menton et s'avança fièrement vers sa destinée. Un homme assez beau était debout près de la fenêtre. Il était totalement différent
de l'idée qu'elle s'était faite de Thomas Betterton. La photo qu'on lui avait montrée ne lui ressemblait en rien. « Mais ce n'est pas Tom, » dit-elle d'une voix surprise, consternée. « Ce n'est pas mon mari. » « Bien joué, » se dit-elle. Tom Betterton éclata de rire, un rire calme, amusé et presque triomphant. « Pas mal, » commenta-t-il. « Même ma véritable épouse ne me reconnaît pas. » Il traversa la pièce jusqu'à elle et la serra fort dans ses bras. « Olive, ma chérie, évidemment que c'est moi, je suis Tom, même si je n'ai pas tout à fait le même visage. » Il pressa ses lèvres contre son oreille et lui murmura doucement « Jouez le jeu pour l'amour de Dieu, sinon vous serez en danger. » Après un moment, il la relâcha et planta son regard dans le sien. « Je n'arrive toujours pas à le croire. Et tu sais que c'est moi, pas vrai ?» Ses yeux brûlaient dans les siens, lui envoyant un message de mise en garde. Elle ne comprenait pas, mais c'était un miracle, et elle se plia son jeu. « Tom !» s'écria-t-elle. « Mais chirurgie esthétique, » expliqua-t-il, « ne me dis pas que tu regrettes mon vieux nez écrasé !» Hilary bascula légèrement. « Le voyage a été si long. Est-ce que je pourrais m'asseoir un instant, s'il vous plaît ?»« Mais bien sûr, ma chérie. Installe-toi, cet horrible voyage et l'accident. Tu l'as échappé belle. » Il était donc au courant pour l'accident d'avion, remarqua Hilary. Prends tout ton temps, poursuivit-il. Nous avons tout le temps qu'il faut. Van Heydem se dirigea vers la porte. Dans un moment, conduisez votre épouse au registre. La porte se referma derrière lui et Betterton tomba à genoux devant Hilary. Son murmure se fit urgent et insistant. « Continuez, il pourrait y avoir un micro. » Il se redressa. « C'est merveilleux de te voir enfin, c'est comme dans un rêve. »« Oui, un rêve. » Hilary plaça ses deux mains sur ses épaules, sourit, il pourrait y avoir un trou pour espionner dans le mur, en plus du micro, et jaugea calmement tout ce qu'elle voyait autour d'elle. Un homme séduisant et nerveux, qui devait avoir la trentaine et qui était terriblement effrayé. Un homme qui était arrivé ici plein d'espoir, mais qui était à présent au bout du rouleau. Elle ressentit une étrange euphorie. Elle était Olive Betterton et devait se comporter comme telle. « On dirait qu'il s'est passé une éternité depuis Fairbanks, » dit-elle. « Whiskers a eu des petits juste après ton départ. » Où j'ai tant de choses à te raconter. Je sais, c'est la rupture avec une ancienne vie pour en commencer une nouvelle. Et tu te sens bien ici? Tu es heureux? Question nécessaire que toute bonne épouse poserait. C'est merveilleux. Tom Betterton se redressa, mais malgré son visage souriant et plein d'assurance, son regard demeurait triste et effrayé. Aucun problème d'argent, les conditions parfaites pour travailler. Mais s'agit-il vraiment d'une colonie de lépreux ? Il hocha la tête. Parfaitement. Mais ne t'inquiète pas, c'est juste un camouflage astucieux. Je vais te faire faire une petite visite de notre appartement. Il la conduisit jusqu'à une salle de bain joliment décorée, puis dans une chambre de taille raisonnable avec de grands placards encastrés. Tout ceci ne me sera pas très utile, fit-elle remarquer. Je n'ai rien en dehors de ce que je porte. Oh, ne t'inquiète pas. Tu trouveras tout ce dont tu as besoin ici, sans avoir à sortir. Il parlait d'un ton léger, mais Hilary eut l'impression qu'il y avait du désespoir derrière chacun de ces mots. « Plus jamais la peine de ressortir d'ici, » songea-t-elle. « Tous ces gens avaient-ils réellement abandonné leur pays pour ceci? Était-ce ce qu'ils avaient toujours désiré ?» Elle réfléchit et se dit qu'elle ferait mieux de ne pas poser trop de questions. Tom Betterton semblait persuadé qu'on les espionnait. Mais avait-il raison de le croire? Ou était-ce uniquement de la paranoïa due à sa nervosité? Quel impact la vie dans cet endroit avait-il sur les gens? Tu ferais mieux de te rendre au registre, dit soudain Tom. Tout le monde y passe, il consigne tout sur toi, l'état de santé, des dents, de la pression du sang, les réactions psychologiques, les goûts, les phobies, les allergies, les aptitudes, tout. On entend toujours dire que derrière le rideau de fer, tout est proprement planifié, ironisa Hilary, en tentant de mettre un peu d'enthousiasme dans sa voix. Tu as encore beaucoup de choses à comprendre, répondit Tom.
d'un ton évasif. Le registre était dirigé par une femme qui ressemblait à la fois à une gouvernante et à une infirmière stricte. Elle parlait avec une précision guindée qui trahissait sa nationalité suisse. À Mrs. Betterton, elle fit approcher Hillary d'une chaise et Betterton, mal à l'aise, préféra s'en aller. À plus tard, Olive. Très bien, commençons si vous le voulez bien. Nom complet, âge, lieu de naissance, nom du père et de la mère, antécédents médicaux. Et tout ceci se poursuivit durant de longues minutes. Hillary répondait automatiquement, heureuse à présent des leçons prudentes qu'elle avait reçues de Jessop. À présent, vous devez voir le docteur Rubeck, un psychologue, pour un test d'intelligence et pour définir le groupe type de personnalité auquel vous appartenez. Le docteur Rubeck, un Suisse grand et mélancolique, demanda tout d'abord à Hillary de lui parler de l'accident d'avion. « J'ai d'horribles migraines, lui expliqua-t-elle, et je m'embrouille. Parfois, je suis incapable de me rappeler des choses. » Elle pensait qu'il était important de souligner ce point. Le docteur Rubeck hocha la tête lentement. « Tout ceci vous passera, dit-il. » Il fit passer à Hillary quelques tests de routine. « C'est un plaisir, conclut-il enfin, d'avoir affaire, si vous me permettez, madame, à quelqu'un qui n'est en aucun cas un génie. » Hillary éclata de rire. « Oh, je ne le suis pas le moins du monde. Et c'est heureux pour vous, poursuivit-il. Ici, je m'occupe essentiellement d'intellectuels avisés complètement déséquilibrés. Le scientifique, madame, n'est pas un individu calme et décontracté, comme on en voit dans les livres. Vous ne pouvez pas imaginer les querelles, les jalousies et les susceptibilités qui peuvent se développer. Vous, madame, vous faites partie d'une petite minorité qui a beaucoup de chance. » Il sourit. Très peu de femmes sont autorisées à venir dans cet endroit, mais nous les trouvons très rafraîchissantes pour les cerveaux de leurs maris. Que font les épouses ici, sans qui Hillary ? Vous pouvez suivre des cours ou vous divertir de diverses façons. Vous trouverez, je l'espère, cette vie très agréable. Comme c'est le cas pour vous ? Cette question était plutôt audacieuse, mais le docteur Rubeck sembla s'en amuser. « Oh, je trouve la vie calme et intéressante au plus haut point. Je n'ai pas l'esprit de famille, et ici, j'ai l'immense opportunité d'étudier les aspects de l'esprit humain sur lequel j'écris un livre. Je n'ai pas de soucis domestiques, pas de distractions, pas d'interruptions, et cela me convient admirablement. » Il se leva et lui serra la main de manière formelle. « À présent, mademoiselle Laroche va vous conduire au département d'habillage. » Hillary fut agréablement surprise par mademoiselle Laroche, qui était autrefois vendeuse dans une maison de haute couture à Paris. « Je suis ravi de faire votre connaissance, madame. Vous devez être épuisée. Je vous suggère donc de choisir quelques vêtements essentiels pour le moment et d'examiner ce que nous avons en réserve lorsque vous le voudrez. » « Comme c'est réjouissant, dit Hillary. C'est si étrange de ne rien posséder en dehors d'une brosse à dents et d'une éponge. » Mademoiselle Laroche éclata de rire, prit quelques mesures rapides, puis conduisit Hillary dans un grand département où se trouvaient des vêtements de toutes sortes. Hillary en sélectionna quelques-uns, puis elles passèrent au département maquillage. Miss Jensen, la jeune fille maigre et brune à lunettes que le groupe avait rencontrée à leur arrivée, entra dans le salon. « Si vous en avez fini ici, Mrs. Betterton, peut-être pourriez-vous venir voir le docteur Nielsen, notre sous-directeur ?» Tous les gens dans cet endroit semblaient être docteurs en quelque chose, remarqua Hillary. Est-ce un médecin ? Un scientifique ? Demanda-t-elle. Oh non, il est le directeur administratif de l'unité et il doit s'entretenir avec tout le monde à leur arrivée, l'informa Miss Jensen. Je vois, répondit Hillary. L'admission dans le sanctuaire du docteur Nielsen se fit en passant par deux antichambres. Tandis que les deux femmes entraient dans la pièce, l'homme se leva de derrière son large bureau. Il était grand et avait le visage rouge, ainsi qu'une attitude urbaine et un très léger accent américain. « Je suis ravi de vous accueillir ici, Mrs. Betterton, » fit-il en lui serrant la main. « Désolé pour l'accident, j'ai appris ce qui vous était arrivé. Vous avez eu de la chance, beaucoup de chance.
J'espère que vous serez heureuse parmi nous. Y a-t-il des questions que vous souhaiteriez me poser ? Demanda-t-il en se penchant vers elle de manière encourageante. C'est difficile, j'en ai tellement que je ne sais par où commencer. Il hocha la tête, je comprends. À votre place, je n'en poserai aucune. Adaptez-vous seulement à cet endroit et voyez ce qui se passe. Tout est tellement si inattendu, murmura Hilary. Il éclata de rire avec entrain. « Oui, notre maison au milieu du désert est assez surprenante, mais vous serez bien ici. S'il y a quoi que ce soit que vous n'aimez pas ou que vous souhaiteriez avoir, demandez-le et nous verrons ce que nous pouvons faire. Nous avons beaucoup de distractions à votre service. La peinture, la musique, les jeux, cela prend en général une semaine ou deux aux gens pour trouver ce qui leur convient, spécialement aux épouses. Mais est-ce qu'on reste ici ?» Restez ici, je ne comprends pas, Mrs. Betterton. Je veux dire, est-ce qu'on ne quitte jamais cet endroit ? Le docteur Nielsen se montra plutôt vague. Tout dépend de votre mari, répondit-il. Mais mieux vaut ne pas parler de tout ceci pour le moment. Revenez me voir dans 3 semaines, vous me direz comment se passent les choses. Mais est-ce qu'on a le droit de sortir ? Je veux dire, hors des grilles ? Cette question est tout à fait légitime. Son comportement devenait à présent très bienfaisant. Oui, très légitime. Mais notre unité est un monde en lui-même. Il n'y a rien dont on doive sortir de mort. Il n'y a que le désert. Toute claustrophobie plus ou moins forte vous passera bientôt. Ce n'est qu'un reste du monde que vous venez de quitter. Avez-vous jamais observé une fourmilière, Mrs. Betterton ? Des centaines d'insectes qui vont et viennent, si impatients et affairés. Et cependant, tout n'est que désordre, comme l'ancien monde que vous avez laissé derrière vous. Ici, reprit-il en souriant, c'est le paradis sur terre. De retour dans son appartement, Hilary commença à ranger ses nouveaux vêtements et accessoires. « Il va te falloir un peu de temps pour t'habituer. Essayons simplement d'être naturel, comme si nous étions chez nous. » Hilary réalisa la sagesse de ses paroles et décida d'agir en conséquence. « J'ai rencontré le sous-directeur. Ce n'est pas lui qui dirige tout ça, si ? » ?»« Non, c'est le directeur qui s'en charge. On ne le voit pas souvent, mais de temps en temps, il nous rend visite. Il a une personnalité incroyablement stimulante. » Betterton jeta un œil à sa montre. Nous ferions mieux de descendre pour le dîner. Il parlait exactement comme s'il se trouvait dans un hôtel. Ils descendirent l'escalier et longèrent plusieurs couloirs avant de pénétrer enfin dans une immense salle à manger. Miss Jensen les dirigea vers une table où Andy Peters et Torquil Erickson étaient assis. Hilary leur présenta son mari et à ce moment-là, un autre couple, le docteur Murchison et sa femme, se joignirent à eux. Simon Murchison était mince et semblait anémié. Il devait avoir 26 ans et travaillait dans le même laboratoire que Tom Betterton. Sa femme, Bianca, était brune et potelée avec un fort accent italien. Elle salua Hilary poliment, mais avec une certaine timidité. « Vous n'êtes pas une scientifique, n'est-ce pas ? » demanda-t-elle. « Je crains que non, » répondit Hilary. « Bianca a suivi des cours de droit, » intervint Simon. « Parfois, elle trouve difficilement de quoi s'occuper ici. » Celle-ci haussa les épaules. « Le fait avec. » Elle se tourna vers Hilary. « Après dîner, nous avons le choix entre plusieurs choses. Une salle où l'on peut jouer aux cartes, un cinéma, des représentations théâtrales et même une salle de danse. » Erickson fronça les sourcils d'un air désapprobateur. « Ces choses sont une vraie perte de temps et d'énergie. »« Pas pour nous, » objecta Bianca. « Pour les femmes, c'est nécessaire. » Erickson la regarda avec un air froid et indifférent. « Pour lui, même les femmes ne servent à rien, » songea Hilary. Elle bâilla délibérément et Betterton se tourna face à elle. « Tu devrais aller te coucher tôt. » Nous faisons généralement une promenade sur la terrasse aménagée sur le toit après le repas. Tu n'auras qu'à aller dormir après ça. Ils montèrent dans un ascenseur, manœuvré par un noir magnifique,
tout vêtue de blanc. Hilary fut surprise par la beauté somptueuse et surprenante du jardin sur le toit. C'était comme dans un conte des mille et une nuits. Il y avait des fontaines, de grands palmiers, des feuilles tropicales de bananiers et des chemins de tuiles magnifiques. « C'est incroyablement féerique, » s'extasia-t-elle. « Qui irait s'imaginer qu'il existe un tel endroit en plein milieu du désert ?» Murchison hocha la tête. « Je suppose que même là, il n'y a rien que l'on ne puisse faire si l'on possède suffisamment d'eau et d'argent. » Les Murchison se retirèrent et Betterton guida Hilary jusqu'au parapet où ils se retrouvèrent enfin seuls. Les étoiles brillaient au-dessus d'eux et l'air était froid, vif et euphorisant. « À présent, » dit-il à voix basse avec nervosité, « qui diable êtes-vous ?» Elle le regarda sans répondre. Avant toute chose, il fallait qu'elle comprenne. « Pourquoi vous êtes-vous comporté comme si j'étais votre épouse ?» demanda-t-elle. Ils se dévisagèrent un instant et Hilary sut que peu importait qui était Tom Betterton lorsqu'il avait quitté l'Angleterre, son pouvoir était à présent inférieur au sien. Il détourna les yeux et marmonna, boudeur, « C'était juste une pulsion. J'imaginais que l'on vous avait peut-être envoyé pour me sortir d'ici. Vous voulez quitter cet endroit ?»« Bon sang, comment pouvez-vous poser la question ?»« Comment êtes-vous venu ici depuis Paris ?» Il eut un petit rire. « Je suis venu de mon propre chef, impatient et enthousiaste. Vous saviez où vous vous rendiez ? Je n'avais aucune idée que j'allais me retrouver en Afrique. Je me suis fait avoir par les promesses habituelles, la paix sur la terre, le libre partage des secrets scientifiques, la suppression des capitalistes. Et ça ne ressemble pas à ce que vous imaginiez ? Il laissa échapper un autre petit rire amer. « Vous verrez par vous-même. » « Oh, peut-être que c'est comme ça, mais ce n'est pas la liberté. » C'est ce qui me déprimait chez moi, en Angleterre, le sentiment d'être observé, épié. Les précautions de sécurité, rendre compte de ses actes. Alors lorsque quelqu'un vient vous faire une proposition de la sorte, vous l'écoutez. Tout vous semble parfait. Et vous finissez par atterrir ici. « Vous voulez dire que vous vivez dans les mêmes circonstances ?» demanda Hilary lentement. « Vous êtes observé de la même façon, ou pire encore ?»« Je n'en sais rien, » s'exclama-t-il. « Peut-être que tout ceci, c'est dans ma tête. Pourquoi m'espionnerait-on ? Ils me tiennent enfermé ici, comme dans une prison. » Ce n'est pas comme vous l'aviez imaginé. « Je suppose que si, d'une certaine façon. Les conditions de travail sont parfaites. On a tout le confort et le matériel, mais on a conscience à chaque minute d'être retenu prisonnier. » Hilary frissonna. « Je sais ce que vous voulez dire. Lorsque les grilles se sont refermées derrière nous, ce fut horrible. »« Maintenant, répondez à ma question, » fit Betterton. « Pourquoi vous faites-vous passer pour Olive ?»« Olive ?» Elle s'interrompit, cherchant ses mots, regardant avec pitié ce visage nerveux et hagard. « Je suis terriblement désolé. Votre femme est morte. Elle venait vous rejoindre et l'avion s'est écrasé. » Il y eut un long silence. « Très bien, » finit-il par dire. « Alors vous avez pris sa place. Mais pourquoi ?» Cette fois, Hilary était prête à lui répondre. Cependant, tout lui avoué comportait un risque. Il était au bord de la crise de nerfs. Ce serait de la folie d'espérer qu'il garde un tel secret. « J'étais à l'hôpital avec votre femme lorsqu'elle est morte. Je lui ai proposé de venir vous rejoindre. Elle voulait vous donner un dernier message. Mais assurément, commença-t-il en fronçant les sourcils, elle se hâta de poursuivre. Ce n'est pas aussi incroyable qu'il n'y paraît. J'avais beaucoup de sympathie pour toutes ces idées, les secrets scientifiques partagés avec tous les pays, un nouvel ordre du monde. Et puis, étant donné la couleur de mes cheveux, s'il s'attendait à voir une femme rousse, cela me semblait valoir la peine d'essayer. « Quel était son message » demanda-t-il. « De vous dire d'être prudent, que vous étiez en danger, à cause d'un certain Boris. Vous voulez dire Boris Glidre ? Oui. Vous le connaissez ?» Il secoua la tête. « Je ne l'ai jamais rencontré, mais j'ai bel et bien entendu parler de lui.
C'est un membre de la famille de ma première épouse. Pourquoi serait-il dangereux ? Demanda-t-elle. Je ne sais pas pourquoi il représenterait un danger pour moi, mais en tout cas, c'est un individu dont il faut se méfier. Un de ces idéalistes fous qui se ferait une joie de tuer la moitié de l'humanité s'il pensait que c'était une bonne chose. Mais comment peut-il être dangereux pour moi ici ? Poursuivit-il. Oh, et puis, qu'est-ce que ça peut bien faire ? Nous sommes là, coincés dans cette satanée unité, entourés de robots inhumains, et on ne peut pas sortir, s'écria-t-il en tapant du poing contre le mur. Oh, si, nous le pouvons, répondit Hilary. Nous trouverons un moyen. Ma chère amie, vous n'avez aucune idée de ce contre quoi vous devez vous battre. Son rire était plein de reproches. Il y a toujours un moyen. Il suffit de se donner le temps, insista-t-elle avec obstination. Son visage s'assombrit à nouveau. « Du temps, répéta-t-il, du temps. C'est exactement ce que nous n'avons pas. Que voulez-vous dire ? Je ne peux pas travailler ici, je suis incapable de réfléchir. Mon travail est en grande partie créatif et j'ai perdu l'urgence. Tout ce que je fais manque d'originalité. Et si je ne peux pas leur donner ce qu'ils veulent, ils se débarrasseront de moi. Ce ne sont pas des sentimentaux. » Il frissonna. Et ce qui m'a sauvé jusque-là, c'est la chirurgie plastique. On ne peut pas attendre d'un type qui subit constamment des opérations qu'il fasse preuve de concentration. Mais aujourd'hui, le travail sur mon visage est terminé. Mais pourquoi l'avez-vous fait d'abord ? Demanda Hilary. Pour la sécurité. On fait ceci pour les gens qui sont recherchés. Vous voulez dire recherchés pour trahison ? Vous leur avez vendu des secrets sur les bombes atomiques ? Il détourna les yeux pour éviter son regard. Je n'ai rien vendu. Je leur ai donné. Je voulais le leur donner. Vous ne comprenez pas ? Elle imaginait très bien Andy Peters en train de faire la même chose et Erickson avec ses yeux de rêveur fanatique trahissant son pays avec enthousiasme. Mais il était difficile de visualiser Tom Betterton en train de commettre un tel acte. Elle se rendit compte avec surprise que ceci faisait la différence entre le Betterton d'il y a plusieurs mois, plein d'enthousiasme, et le Betterton d'aujourd'hui, un homme ordinaire et terriblement effrayé. Il regarda autour de lui nerveusement. Tout le monde est descendu, nous ferions mieux d'y aller nous aussi. Avec embarras, il ajouta, nous devons continuer notre petite mascarade, vous savez, partager la même chambre et tout le reste, mais n'ayez crainte, nous n'avons pas besoin de nous préoccuper de ça, l'interrompit Hilary d'un ton enjoué. La chose la plus importante est de sortir d'ici, en vie. Dans une chambre de l'hôtel Mamounia, à Marrakech, Jessop s'entretenait avec Miss Hetherington. Elle avait la même apparence, le même ensemble et la même coiffure déprimante, mais elle semblait plus vive, compétente et beaucoup plus jeune que son apparence ne le laissait croire. Un autre homme brun, à la carrure imposante, avec un regard intelligent, était également présent. Il tapotait doucement sur la table et chantonnait une petite chanson française à voix basse. « Et pour autant que vous sachiez, disait Jessop, ces gens-là sont les seuls à qui elle allait parler lorsqu'elle se trouvait à Fès. » Janet Hetherington hocha la tête. « Il y avait cette Madame Calvin Baker. Je n'arrive toujours pas à me faire un avis sur elle. Elle a tout fait pour se lier d'amitié avec Olive Betterton et avec moi par la même occasion. Mais peut-être que cela n'est pas significatif. Les Américains sont si amicaux. » « En effet, approuva Jessop, ce ne serait pas très discret d'agir de la sorte. Tout de même, ajouta Hetherington, elle se trouvait également dans l'avion. Vous prétendez que l'accident était planifié. Qu'en dites-vous, Leblanc ? Demanda Jessop en se tournant vers l'autre homme. Ça se peut, répondit ce dernier. L'avion a peut-être été saboté. On ne le saura jamais. Qu'avez-vous appris au sujet du pilote ? Jeune, compétent, mal payé. Donc ouvert à un autre emploi. Commenta Jessop. Mais vraisemblablement pas candidat au suicide. Il y avait 7 corps, intervint Leblanc. Ça, on ne peut pas le nier. Jessop hocha la tête et se tourna vers Janet Hetherington. Mrs. Betterton a échangé quelques mots avec une famille française à Fès, dit-elle, et un homme d'affaires suédois accompagné d'une jeune fille ravissante.
ainsi qu'Aristides, un mania du pétrole. Ah ! S'exclama le blanc. La célébrité dans toute sa splendeur. Il a tout l'argent du monde et il se cloître dans un château en Espagne et collectionne de la poterie chinoise. Mais peut-être qu'à son âge, la poterie chinoise est la seule chose qui y présente un intérêt. D'après les Chinois, entre 60 et 70 ans, ce sont les années les plus enrichissantes, l'âge où l'on apprécie le plus la beauté et les joies de la vie. Quelques Allemands se trouvaient également à Fès, poursuivit Janet Hetherington, mais je ne crois pas qu'ils aient parlé à Olive Betterton. Jessop fronça les sourcils. Et elle s'est rendue dans la vieille ville toute seule. Quelqu'un aurait pu la contacter là-bas. En tout cas, elle a décidé soudainement de partir pour Marrakech. Miss Hetherington secoua la tête. Non, elle avait déjà ses réservations. Eh bien, Mrs. Kelvin Baker a décidé plutôt de manière soudaine de l'accompagner. Jessop se mit à faire les 100 pas. Elle a pris l'avion pour Marrakech et celui-ci s'est écrasé. Voyager dans un avion à bord duquel se trouve Olive Betterton ressemble assez à un mauvais présage, on dirait. Mais était-ce un accident ou un plan ? Il devait y avoir de meilleures façons de se débarrasser d'Olive Betterton que de faire s'écraser son avion. On ne sait jamais, dit le blanc. Pour quelqu'un qui n'est pas affecté par les pertes humaines, le décès de 6 personnes n'a aucune importance. Je persiste à croire qu'il y a une troisième solution. Qu'ils ont voulu faire croire à un accident, mais que cela ne s'est pas passé ainsi. Mais, mon cher Jessop, les corps carbonisés étaient bel et bien là. Je sais, c'est ce détail qui me gêne. Et c'est trop net. C'est comme s'ils avaient voulu nous dire « C'est fini, il n'y a pas d'autre piste à suivre. »« Avez-vous fait procéder à des recherches ?» demanda-t-il. « Des hommes très compétents sont sur le coup. » Jessop hocha la tête. « Repassons la liste des passagers en revue une fois de plus, » proposa-t-il. Il commença à lire tout haut. « Mrs. Kelvin Baker, américaine. Mrs. Betterton, anglaise. » Torkil Erickson, norvégien, que sait-on de lui ? Rien d'important, répondit le blanc. Je connais ce nom, fit Jessop en fronçant les sourcils. Je crois qu'il a effectué des travaux pour l'Académie des sciences. Vient ensuite la nonne, sœur Marie quelque chose, Andrew Peters, également américain, le docteur Baron, personne très célèbre, un homme très brillant, un expert sur les maladies liées au virus, un homme mal payé et mécontent. La sonnerie du téléphone posée sur la table retentit et le blanc se saisit du combiné. Allô ? Ah ! Envoyez-les-moi ! Son visage s'anima soudain. Ils ont trouvé quelque chose. Il est possible que votre optimisme soit justifié. Deux hommes entrèrent dans la pièce. Le premier portait des vêtements européens qui étaient affreusement tachés et marqués. Il rentrait de toute évidence de voyage. Avec lui se trouvait un indigène vêtu des habits blancs locaux. En apprenant qu'il y avait une récompense, expliqua l'Européen, cet homme ainsi que sa famille et un grand nombre de ses amis ont mené des recherches diligemment. Je l'ai laissé vous apporter en personne ce qu'il avait trouvé. D'un pli de sa robe, le berbère sortit un petit objet et le déposa sur la table. C'était une grosse perle synthétique gris-rose. Jessop s'en saisit, puis en sortit une seconde de sa poche, exactement identique, et compara les deux à l'aide d'une loupe. « Elle porte la marque, » dit-il avec une certaine jubilation dans la voix. « Bien joué, jeune fille, elle a réussi. » Le blanc interrogea le Marocain en arabe, puis se tourna finalement vers Jessop, une fois qu'il eut terminé. « Cette perle a été trouvée à près d'un demi-mile de l'endroit de l'accident, ce qui prouve que l'un des corps carbonisés de l'avion n'était définitivement pas celui d'Olive Betterton. « Nous allons étendre les recherches dès à présent, » annonça le blanc. « Il sera récompensé et la connaissance de l'existence de ces perles vaut bien tout l'argent qu'on va lui donner. Une battue va être organisée dans toute la région
Ils ont des yeux de Sioux, ces gens. Je crois que nous obtiendrons des résultats rapidement. Espérons qu'ils ne se sont pas rendus compte de ce qu'elle faisait. Pourquoi la soupçonnerait-il ? Demanda Jessop. Un collier cassé est une chose si courante. Elle n'est qu'Olive Betterton, une femme pressée de retrouver son mari. Le blanc jeta un œil à la liste des passagers. Nous devons revoir ce problème sous une lumière nouvelle. Olive Betterton et le docteur Baron. Deux au moins qui devaient se rendre là où ils allaient. Mrs. Kelvin Baker, nous devrions garder l'esprit ouvert à son sujet. Vous dites que Torkil Erickson aurait travaillé pour l'Académie des sciences. L'Américain Peters était décrit sur son passeport comme étant chimiste. La nonne, eh bien, ce serait un déguisement fort habile. Et l'avion découvert en flammes avec le nombre requis de corps carbonisés, c'est colossal. Oui, approuva Jessop, c'est la touche finale pour convaincre. Mais nous savons à présent que 6 ou 7 personnes sont parties pour un tout nouveau voyage et nous connaissons le point de départ. Que faisons-nous maintenant ? Nous nous rendons sur les lieux. Précisément. Maintenant que nous sommes sur une piste, d'autres preuves se révéleront au grand jour. Les calculs étaient nombreux et tortueux. La vitesse de progression de la voiture, la distance approximative à laquelle il avait fallu refaire le plein du réservoir, les villages probables où ils avaient pu s'arrêter pour se reposer, les pistes étaient confuses, les déceptions nombreuses, mais de temps en temps, un résultat positif leur parvenait. Voilà mon capitaine. Dans un coin sombre de la maison, une perle enchevêtrée dans un petit morceau de chewing-gum avait été trouvée. La propriétaire avait fini par tout avouer. Une voiture avec 6 personnes à bord s'était présentée et elles avaient passé la nuit ici. On lui avait versé beaucoup d'argent pour qu'elle n'en parle à personne. Des enfants du village d'El Caïf avaient également rapporté 2 perles supplémentaires, de sorte que la direction qu'ils avaient prise était enfin connue. Il y a autre chose. La main de Fatma a été vue comme vous l'aviez prédit. Cet homme là-bas vous racontera tout ce que vous voulez savoir. L'individu en question était un berbère à l'air particulièrement sauvage. « J'étais avec mes troupeaux la nuit, dit-il, et j'ai entendu une voiture. Quand elle est passée devant moi, j'ai vu la main de Fatma dessinée sur un côté. Elle brillait, comme je vous le dis, dans l'obscurité. L'application du phosphore sur un gant peut être très efficace, murmura le blanc. Jessop hocha la tête. Efficace, mais dangereux. Trop facilement remarqué par les fugitifs eux-mêmes, je veux dire. » Nous devons rester sur nos gardes, car si nos ennemis l'ont remarqué, il est fortement possible qu'ils nous mènent vers une fausse piste. Le matin suivant, Leblanc produisit 3 fausses perles arrangées en triangle dans un petit morceau de chewing-gum. Cela devrait signifier, dit Jessop, que la prochaine étape du voyage s'est effectuée par avion. Leblanc hocha la tête. Oui. Ceci a été trouvé sur un petit terrain d'atterrissage militaire inutilisé dans un lieu éloigné et isolé. Certains signes prouvent qu'un avion a atterri et est reparti vers une destination inconnue. Et nous ne savons donc pas où reprendre la piste. C'est incroyable, pensa Hilary, dire que ça fait déjà 10 jours que je suis ici. C'était effrayant comme on s'adaptait facilement à cet endroit. Au départ, elle avait ressenti une panique effroyable, un sentiment horrible d'emprisonnement et de frustration. Pourtant, elle avait déjà commencé à accepter ces conditions, à trouver cela naturel, même si rien ne semblait réel. Elle allait vivre ici pour toujours. La réaction des gens qui étaient arrivés ici avec elle l'intéressait au plus haut point. Helga Nidheim, elle ne la voyait que durant les repas, mais l'Allemande semblait heureuse et satisfaite avec son air supérieur et ses compagnons scientifiques. Le docteur Baron était plus intelligent et occasionnellement,
Hillary avait de brèves conversations avec lui. Il était absorbé par son travail et profondément satisfait des conditions de vie, mais toujours prêt à spéculer sur sa situation. « Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais, » dit-il un jour. « Entre nous, cela me déplaît fortement d'être enfermé, même si la cage est dorée. »« Vous cherchiez la liberté en venant ici ?» demanda Hillary. « Pas vraiment. L'homme civilisé sait qu'une telle chose n'existe pas. Je serai franc avec vous. Ma motivation principale, c'était l'argent. » Hillary haussa un sourcil. « Et à quoi peut bien vous servir l'argent dans un endroit pareil ?»« Il sert à payer des équipements de laboratoire très chers. » Je ne suis pas obligé de mettre la main à la poche et ainsi je peux servir la cause de la science et satisfaire ma propre curiosité intellectuelle. Une grande somme d'argent m'a été versée avant que je ne quitte la France et lorsque tout ceci sera terminé, ce qu'il me restera, je le dépenserai comme bon me semble. « Lorsque tout ceci sera terminé, s'étonna Hillary, mais pourquoi tout ceci prendrait-il fin ?»« Je crois fermement que cet endroit est dirigé par un fou, » expliqua le docteur Baron. Un fou, laissez-moi vous le dire, peut parfois raisonner à merveille. Si vous êtes riche, logique et fou, vous pouvez réussir à vivre dans l'illusion pendant longtemps. Mais, dit-il en haussant les épaules, ce qui se passe ici n'a rien de raisonnable et se terminera donc tôt ou tard. En attendant ce jour, cet endroit me convient admirablement. Torkil Erickson, que Hillary s'était attendu à trouver grandement déçu, semblait être très heureux de son séjour à l'unité. Moins pragmatique que les Français, il avait une vision très personnelle des choses. Sa nature impitoyable, froide et étrange, l'effrayait. Avec Andy Peters, elle se sentait bien plus en accord. Probablement, pensa-t-elle, car c'était un homme de talent et non un génie. Peters, comme elle, avait d'abord détesté et craint l'atmosphère de l'unité. « Je croyais savoir où j'allais, » expliqua l'Américain, « mais j'avais tort. Nous n'avons aucun contact avec Moscou. J'ai même plutôt l'impression d'avoir affaire à des fascistes. Mais je suis sûr d'une chose. Je veux sortir d'ici. Plus que tout. Ce ne sera pas facile, » murmura Hillary. Après dîner, ils avaient décidé d'aller se promener près des fontaines sur le toit. Avec l'obscurité et le ciel étoilé, ils se seraient crus dans les jardins privés d'un palais sultan. Non, approuva Peters, mais rien n'est impossible. Oh, comme j'aime vous l'entendre dire, s'exclama Hillary. Il la regarda d'un air compatissant. Vous n'avez pas le moral, s'enquit-il. Pas vraiment. Mais ce qui me fait vraiment peur, c'est de m'habituer à cet endroit. Oui, répondit-il songeur, je vois ce que vous voulez dire. Il y a une sorte de suggestion collective dans cet endroit. Cela me semblerait tellement plus naturel si les gens se rebellaient. Il hocha la tête. Je me demande même s'ils ne nous font pas prendre certaines substances. Vous savez, quelque chose dans la nourriture ou la boisson qui vous pousse à vous montrer docile. Ou bien cela pourrait se faire mentalement. Certains des administrateurs sont très portés sur l'hypnose et la psychologie. C'est possible, vous savez, si ce sont des experts qui s'en chargent. Mais nous ne devons pas nous laisser faire, s'écria Hillary avec force. Hors de question. Qu'en pense votre mari ? Demanda Peters. Tom ? Eh bien, c'est difficile à dire. Elle se tut quelques minutes. Depuis 10 jours maintenant, elle vivait avec un étranger. Elle ne comprenait pas vraiment Tom Betterton. Il semblait incarner le pire exemple de ce qui pouvait arriver à un jeune homme vivant depuis quelques mois au sein de l'atmosphère déprimante de l'unité. Loin de prendre du plaisir dans son travail, il semblait s'angoisser de plus en plus de son inaptitude à se concentrer. Clairement, Tom Betterton était un vrai génie et il avait besoin de liberté s'il voulait produire un travail créatif. Au lieu de cela, cette histoire d'enfermement le préoccupait jour et nuit. Il répétait continuellement « Il faut que je sorte d'ici. Il faut. Il le faut. » C'était en substance les mêmes paroles prononcées par Peters, mais avec beaucoup de différences. Peters parlait comme un jeune homme énergique, ayant perdu toutes ses illusions, déterminé à mettre à profit son intelligence
pour lutter contre les cerveaux de l'établissement, tandis que Betterton réagissait comme un homme au bout du rouleau. Peut-être, pensa soudain Hillary, que c'était dans cet état-là qu'elle et Peters se trouveraient dans 6 mois. Peut-être que leur esprit de rébellion et leur confiance naïve se transformeraient en un profond désespoir de se sentir pris au piège. Elle aurait tant aimé pouvoir se confier à cet homme qui se tenait à ses côtés, mais elle devait choisir ses mots avec prudence. « Comment pouvons-nous faire pour sortir ? » dit-elle. « Quelles sont nos chances ? Il faut que ce soit réfléchi et planifié. Si on peut entrer, on peut forcément en ressortir. Avec intelligence, discrétion et un peu de corruption, je sortirai d'ici. « Et moi ?» demanda Hillary. « Eh bien, pour vous, c'est différent. » Elle comprit ce qu'il voulait dire. Étant venue ici pour rejoindre son mari, son propre désir de s'enfuir ne devrait pas être si grand. Elle fut tentée de dire la vérité à Peters, mais son instinct le lui interdisait pour sa propre sécurité. Elle lui souhaita une bonne nuit et quitta le toit. « Bonsoir, Mrs. Betterton. » Derrière ses petites lunettes, Miss Jensen semblait tout excitée. Ses yeux scintillaient derrière ses verres épais. « Une réunion doit avoir lieu ce soir. Le directeur en personne va s'adresser à nous. »« Très bien, » répondit Andy Peters, qui se tenait tout près. « J'étais impatient de pouvoir jeter un œil à cet individu. » Miss Jensen lui lança un regard choqué, rempli de reproches. « Le directeur, » dit-elle d'un ton austère, « est un homme merveilleux. » Lorsqu'elle fut partie, Peters laissa échapper un petit sifflement. « Est-ce que c'est moi, ou bien il m'a semblé qu'elle était sur le point de dire « Heil Hitler » ?»« C'est en donner l'impression, en tout cas, » répondit Hillary. Peters agita les mains. « Si j'avais su, lorsque j'ai quitté les États-Unis, plein d'ardeur et d'enthousiasme pour la fraternité de l'homme, que j'allais atterrir dans les griffes d'un autre dictateur né, oh !» s'écria Hillary, « je suis si heureuse que vous soyez là. » Il la regarda, perplexe, avant qu'elle n'ajoute, rougissante, « Vous êtes si gentil et si normal. C'est donc ainsi que vous me voyez ? Vous en avez assez, des génies ? Oh oui, et je dois dire que vous avez changé. Vous avez perdu ce sentiment d'amertume et de haine. Ne comptez pas là-dessus, » répondit-il, son visage s'assombrissant. « C'est toujours là, enfoui au plus profond. » « Il y a des choses, croyez-moi, que l'on se doit de détester. » La réunion eut lieu après dîner dans la grande salle de conférence. « Le directeur ne paye pas de mine, » expliqua Tom à Hillary, « mais il a un impact très fort sur les gens. » Hillary s'était forgé une image presque de demi-dieu et elle fut surprise lorsqu'un homme corpulent, d'âge moyen, monta d'un pas rapide sur l'estrade. En apparence, il n'était pas distingué et sa nationalité ne se devinait pas au premier abord. Il s'adressa à eux couramment en 3 langues, le français, l'allemand et l'anglais. Il souhaita la bienvenue aux nouveaux arrivants avant de leur faire part des objectifs et des croyances de l'unité. Un peu plus tard, Hillary se trouva incapable de se rappeler ce qu'il avait dit avec précision. Elle se souvenait qu'une amie lui avait raconté comment, un jour, elle avait entendu un discours de cet imbécile d'Hitler et s'était mise à pleurer de manière presque hystérique sous le flot d'une émotion extrême. Quelque chose de similaire était en train de se passer. Malgré elle, Hillary était secouée et retournée. Aujourd'hui, le pouvoir est entre les mains de la jeunesse. Le pouvoir appartient au cerveau. Des laboratoires découle le pouvoir de destruction à grande échelle. Avec ce pouvoir, vous pouvez dire « soumets-toi ou meurs ». Il devrait être entre les mains de ceux qui le créent. Cette unité est un lieu de rassemblement pour le pouvoir du monde. Vous venez des 4 coins du globe pour apporter votre connaissance créative, scientifique et votre jeunesse. Personne ici n'a plus de 45 ans. Lorsque le jour arrivera, nous créerons une académie des cerveaux et nous dirigerons le monde.
nous lui offrirons la Pax Scientifica. » Ce n'étaient pas les mots, mais plutôt la force de l'orateur qui transportait l'assemblée. Lorsque le directeur s'arrêta de manière soudaine avant de s'exclamer de façon théâtrale « Courage et victoire !» Hillary quitta le hall à moitié chancelante dans une sorte de rêve exalté. Puis elle sentit la main d'Andy Peters se poser sur son bras et lui dit rapidement « Venez, montons sur le toit, nous avons besoin de prendre l'air. » Une fois au milieu des palmiers, sous les étoiles, Peters prit une profonde inspiration. « C'est ce qu'il nous faut, de l'air pur, pour balayer les nuages de la gloire. » Il secoua son bras légèrement. « Faites ressortir le gaz empoisonné que l'on vient de nous faire inhaler. Une fois ses effets estompés, vous vous rendrez compte que vous venez d'entendre le même vieux baratin qu'autrefois. » Mais c'était un idéal remarquable. « N'importe quoi, » dit-il. « La jeunesse et les cerveaux. » Helga Nidheim, une égoïste impitoyable. Torkil Erickson, un rêveur impraticable. Le docteur Baron, qui vendrait sa grand-mère pour un équipement de labo tout neuf. Prenez moi, par exemple, un type ordinaire, comme vous l'avez dit vous-même, et votre mari au bord de la crise de nerfs. Ce sont tous les mêmes ici, des génies pour certains, mais des dirigeants de l'univers. Je vous en prie, arrêtez de vous moquer de moi. Ce ne sont que des foutaises pernicieuses. Voilà ce que nous venons d'entendre. Hillary s'assit sur le parapet et se passa une main sur le front. Mais comment fait-il? Croit-il tout ce qu'il raconte? Je suppose qu'on en revient toujours à la même chose, au bout du compte, dit Peters, la mer sombre. Un fou qui se prend pour Dieu. Sans doute. Et pourtant, il n'en a pas l'air. Tout le problème est là, ma chère. Même vous, vous êtes laissé prendre. Si je ne vous avais pas tiré jusqu'ici, nous devons partir, déclara Hillary avec fermeté. Il le faut. Nous nous en irons. Je n'ai pas perdu de temps. J'ai mis en route les premières étapes de mon plan. Le mécontentement règne parmi les membres dévoués de l'unité. Je vous sortirai de là, Olive. Et Tom également? Le visage de Peters s'assombrit. Tom ferait mieux de rester. Cette cage est un endroit sûr pour lui. Mais il veut désespérément s'en aller. « Il se peut que Tom ne sache pas ce qui est bien pour lui, » répondit Peters. Hillary savait que Betterton risquait d'être poursuivi pour trahison, mais il valait mieux passer quelque temps en prison que de rester dans un tel endroit. « Tom doit venir lui aussi, » dit-elle avec obstination. « C'est vous qui décidez, » s'inclina Peters d'un ton amer, « mais je vous aurais prévenu. Si seulement je savais ce qui vous fait l'aimer autant. » Elle posa les yeux sur lui avec tristesse. Les mots brûlaient de sortir de sa bouche. Elle aurait tant voulu lui murmurer qu'il ne représentait rien à ses yeux et que la seule personne qui comptait, c'était lui. Leblanc haussa les épaules. Une chose est sûre, ils ne sont plus en Afrique. Mais si au bout du compte, ils se rendent où nous pensons, pourquoi se servir de l'Afrique comme point de départ? Jessop secoua la tête. Non, il y a autre chose. Seul un petit avion aurait pu se poser sur ce terrain d'atterrissage. Il aurait dû faire le plein et nous aurions dû trouver une trace. Pourquoi les personnes en charge des compteurs GGR n'ont-ils aucun résultat? Ils devraient avoir quelque chose à présent. Oui, si votre agent a bien suivi vos instructions. Des si et toujours des si. Nous y arriverons, déclara Jessop d'un air obstiné. Nous avons présumé qu'il se trouvait au nord, vers la Méditerranée. Supposons qu'au contraire, il se soit dirigé vers le sud. Ils auraient fait demi-tour. Mais pour aller où? Une fois passées les montagnes du Haut Atlas, il n'y a que des déserts de sable inhabités. Tout vêtu de blanc, Mohamed était majestueux. « Vous jurez que tout sera comme vous l'avez promis? Vous me trouverez une place dans une station d'essence à Chicago, c'est sûr. » Peters dévisagea d'un air songeur
le visage grave de son interlocuteur. « Je vous le garantis, Mohamed, si nous sortons d'ici, bien entendu. Par contre, si nous sommes découverts, alors ce sera la mort. Pour moi, c'est certain. » Un sourire laissa entrevoir ses magnifiques dents blanches. Il haussa les épaules. « Finalement, c'est quoi la mort ? C'est la volonté d'Allah. » Peters hocha la tête. « Vous savez ce que vous avez à faire ? Oui, je dois vous conduire jusqu'au toit une fois la nuit tombée. Et je dois aussi déposer dans votre chambre des vêtements semblables à ceux que les domestiques et moi-même portons. Plus tard, nous verrons pour le reste. Bien, vous feriez mieux de me laisser sortir de l'ascenseur maintenant. Quelqu'un pourrait remarquer quelque chose. » Andy Peters dansait avec Miss Jensen, la serrant tout contre lui et lui murmurant quelques mots à l'oreille. Tandis qu'il tournoyait sur la piste, il croisa le regard de Hillary et lui adressa un clin d'œil peu discret. Hillary se mordit la lèvre pour ne pas sourire et se concentra pour garder ses pieds là où Simon Murchison ne pouvait pas les piétiner. « Le jeune Torquil semble fasciné par votre mari, » dit Murchison, une voix haletante. « Ils sont devenus inséparables, ces deux-là. »« J'ai remarqué, » répondit Hillary. Sa voix était soucieuse. Andy Peters l'invita pour la danse suivante. « Je crois pouvoir affirmer sans fausse modestie que je viens de faire une touche, » s'exclama-t-il. « Vous avez assurément donné l'impression d'avoir succombé au charme de la Jensen. » C'était le but. « Cette fille pourrait nous être très utile. Elle est au courant de tout ce qui se passe. Par exemple, demain, des invités de haute importance sont attendus ici. Des docteurs, des officiels du gouvernement et quelques riches patrons. Croyez-vous que nous pourrions avoir une chance de... » « Non. Mais nous aurons une idée du protocole mis en place. Et à la prochaine occasion, eh bien... pourquoi pas ?» Que savent exactement les gens qui viennent ? Au sujet de l'unité, rien du tout. Ou du moins, c'est ce que j'ai cru comprendre, ils ne font qu'inspecter les installations et les laboratoires. Cet endroit a été conçu comme un labyrinthe, donc personne ne peut réellement en juger l'étendue. Je crois que le quartier où nous nous trouvons est dissimulé derrière des cloisons amovibles. « C'est incroyable !» s'exclama-t-elle. Il hocha la tête. La moitié du temps, on a l'impression de rêver. Le pire dans cet endroit, c'est que l'on côtoie des gens qui nous sont totalement étrangers. Vous savez, c'est curieux, mais je me rends compte que je ne sais absolument rien de vous. Ou bien moi sur vous, répliqua Hillary. Oh, eh bien, j'ai été élevé au milieu des tubes à essai, si l'on peut dire. Mais le génie dans la famille se situe ailleurs. Une fille brillante, elle aurait pu devenir la nouvelle Marie Curie. « Que lui est-il arrivé ?»« Elle a été tuée, » répondit-il brièvement. Hillary devina qu'il devait s'agir d'une tragédie de guerre. « Vous teniez à elle ? » demanda-t-elle doucement. « Plus que je n'ai jamais tenu à personne. » Il se secoua pour se ressaisir. « Bon sang, jetez un œil sur notre ami norvégien. Il est aussi tendu que s'il était manipulé par une ficelle. » « C'est parce qu'il est grand et maigre, » fit remarquer Hillary. « Il n'est pas si grand que cela. On doit faire la même taille, 1m80 environ. La taille est trompeuse, » dit Hillary en fronçant les sourcils. Il hocha la tête, comme les descriptions sur les passeports. « Prenez Erickson, par exemple. 1m80, blond, yeux bleus, long visage, nez moyen, bouche ordinaire. Qu'est-ce qui cloche ?»« Rien du tout. » Elle dévisagea Erickson et se rendit compte avec stupeur que cette description correspondait point pour point à celle que Jessop lui avait faite de Boris Glidre. Était-ce pour cette raison qu'elle avait tant peur de lui ? Olive Betterton avait tant insisté sur le fait de mettre Tom en garde contre Boris. Savait-elle qu'il se rendait lui aussi à l'unité ? Supposons que l'homme de Londres qui s'est fait appeler Boris Glidre ne soit pas du tout Boris Glidre, mais Torquil Erickson. La description correspondait en tout point, et depuis son arrivée, il avait focalisé toute son attention sur Tom. Elle frissonna
mais ses pensées furent coupées court par l'arrivée du sous-directeur. Chers amis et collègues, demain, nous vous prions de rester dans l'aile d'urgence à partir de 11h le matin, et ce, pendant 24 heures. Nous ferons l'appel à ce moment-là. Toutes mes excuses pour ce petit dérangement. Peters jeta un coup d'œil autour de lui. Il faut que je retourne m'entretenir avec Jensen, annonça-t-il. Hilary s'assit, songeuse. Torkil Erickson ou Boris Glidre. Après l'appel, tout le monde emprunta le dédale de couloirs sinueux pour se rendre à l'aile d'urgence. Hilary, marchant près de Peters, remarqua qu'il étudiait leur parcours à l'aide d'une minuscule boussole dissimulée dans sa main. Il y eut une halte temporaire tandis qu'une porte s'ouvrait et Peters en profita pour sortir son étui de cigarette. « Il est interdit de fumer, se fit-il immédiatement réprimander. Oh, pardon, monsieur. » Peters marqua une pause, son étui de cigarette à la main, puis le groupe se remit en route. « On ressemble à un troupeau de moutons, » commenta Hilary, d'un air dégoûté. La journée passa relativement agréablement dans un salon commun et il était déjà tard lorsque Hilary se rendit au dortoir des femmes. Tandis qu'elle atteignait la porte, elle sentit quelque chose effleurer son bras doucement. Un domestique noir et grand se tenait à ses côtés. « S'il vous plaît, madame, vous devez me suivre. »« Pour aller où » demanda-t-elle. « Auprès du maître, madame, c'est un grand honneur. » Il la conduisit le long des inévitables couloirs anonymes, s'arrêtant finalement devant une porte qui menait à une petite antichambre dont le sol était recouvert d'un immense tapis rouge. Il écarta sur le côté quelques rideaux et elle se retrouva dans un lieu décoré en style oriental face à un homme assis sur un divan. Hilary dévisagea stupéfaite le visage jaunâtre, ridé et vieux de son petit interlocuteur, Monsieur Aristides. Asseyez-vous, chère madame, l'invita Aristides d'un geste de la main en laissant échapper un petit gloussement. Vous devez être surprise. Oui, je l'avoue, répondit Hilary. Je n'aurais jamais imaginé. L'effet de surprise passé, elle comprenait maintenant que si l'unité lui semblait irréelle, c'était parce qu'elle l'était vraiment. Tout comme le directeur avec sa voix ensorcelante d'orateur, la vérité se trouvait ici, dans cette pièce secrète, avec ce vieil homme assis là et riant doucement. « Tout ceci vous appartient, n'est-ce pas ? » demanda-t-elle enfin. « C'est exact, madame. » « Et pour le directeur ?»« Il est très bon, » dit M. Aristides d'un air appréciateur. Il dirigeait les réunions revivalistes autrefois. Il tira une bouffée sur sa cigarette d'un air songeur, puis poursuivit. « Je suis un philanthrope, madame. Avec la richesse que je possède, je me sens dans l'obligation de servir l'humanité. J'ai organisé ici bon nombre de recherches concernant la lèpre. Nous avons également un département de recherche sur le cancer et sur les virus. Des experts célèbres viennent régulièrement voir nos résultats, comme c'était le cas aujourd'hui. Le bâtiment a été intelligemment construit de telle sorte que certains quartiers demeurent invisibles, tels que des laboratoires ultra-secrets dissimulés dans des tunnels creusés dans la pierre. De toute façon, conclut-il en souriant, je suis au-dessus de tout soupçon, je suis riche. « Mais je ne comprends pas. Je suis un homme d'affaires, » répondit M. Aristides, « et un collectionneur. Lorsque la richesse devient oppressante, c'est la seule solution. J'ai commencé par des objets, mais j'en ai vite fait le tour. Alors, il fallait que je trouve autre chose. J'ai donc décidé de faire la collection de génies. » Il hocha la tête lentement. « Oui, madame, je rassemble ici tous les cerveaux du monde entier. » Un jour, les nations de ce monde se réveilleront et se rendront compte que leurs scientifiques sont vieux et dépassés. Et s'ils veulent un physicien, un chirurgien plastique ou un biologiste, ils devront se tourner vers moi pour me l'acheter.
Hilary se pencha en avant. « Vous voulez dire que tout ceci n'est qu'une gigantesque opération financière ?»« Naturellement, » répondit-il. « Autrement, cela n'aurait aucun sens. » « Cela n'a donc rien à voir avec la politique. Vous ne voulez pas contrôler le monde ?» Il s'agita. « J'ai de profondes croyances religieuses. Je ne veux en aucun cas être Dieu. Tous les dictateurs sont atteints de cette même maladie, vouloir être Dieu. Jusque-là, je n'en souffre pas. Ça viendra peut-être, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais comment faites-vous pour attirer tous ces gens ici ?»« Je les achète, madame, comme n'importe quelle autre marchandise. » Parfois avec de l'argent, le plus souvent avec des idées. Les jeunes hommes sont des rêveurs. Parfois, j'offre aussi une sécurité à ceux qui ont transgressé la loi. Cela explique pourquoi ils ont tous des buts si différents, fit Hilary. Andy Peters semblait complètement de gauche, Erickson ne jurait que parler sur homme, Helga Nilheim une fasciste, et le docteur Baron, elle hésita, lui, il est venu pour l'argent. Vous êtes intelligente, madame. Je l'ai tout de suite vue à Fès. Vous ne le saviez pas, mais je me suis rendu là-bas dans le but de vous observer. Ou plutôt, je vous avais fait venir jusqu'à Fès pour cela. Il hocha la tête. J'étais ravi de votre arrivée à l'unité. Je ne trouve pas beaucoup de personnes intelligentes avec qui parler par ici. L'endroit est peut-être rempli de génies, mais ce sont des gens inintéressants lorsqu'il s'agit d'avoir une conversation avec eux. « Leurs femmes, ajouta-t-il d'un air songeur, sont généralement d'un ennui sans nom. Je n'autorise les épouses à venir ici qu'en de très rares cas, lorsque le travail du mari souffre de cette absence. Cela m'a semblé être le cas de votre mari. Oui, Betterton m'a déçu. Mais ces gens sont en prison ici. Ils vont certainement finir par se rebeller, non ?»« Sans doute, concéda M. Aristides. » C'est naturel, comme lorsque vous enfermez un oiseau pour la première fois. Mais si l'oiseau a tout ce dont il a besoin, un ami, des graines, de l'eau, tout le nécessaire pour vivre, il finit par oublier qu'il a été libre un jour. Hilary frissonna. C'est comme une réserve de cerveau. Et vous avez l'intention de fournir des scientifiques à quiconque vous paiera pour les avoir ? C'est l'idée générale. Mais une fois que le scientifique sera libre, il pourra refuser de travailler pour son nouvel employeur. Aristides la regarda. « Avez-vous déjà entendu parler de la leucotomie, madame ?»« C'est une opération du cerveau, n'est-ce pas ?»« Oui, utilisée à l'origine pour guérir la mélancolie. Après l'opération, le patient est insouciant, sans conscience et obéissant dans la plupart des cas. » Nous avons fait de grandes avancées dans ce domaine et nous arrivons à un stade où la docilité peut être assurée et la volonté contrôlée sans affecter l'intelligence. « Mais c'est horrible !» s'écria Hilary. « Horrible !» Il corrigea sereinement. « C'est utile, plutôt. »« Je n'arrive pas à croire que vous allez le faire, » dit-elle avec défi. « Un homme influençable, réduit à l'état d'animal, n'aura jamais une intelligence créative. » Aristides haussa les épaules. « Le temps nous le démontrera. Nous faisons des expériences sans arrêt. Sur des êtres humains ? Mais bien sûr, c'est la seule méthode qui fonctionne. Nous utilisons ceux qui ne s'adaptent pas à leur vie ici et qui se montrent peu coopératifs. Ils sont parfaits pour nos expériences. » Hilary enfonça les doigts dans le divan submergé par une horreur profonde pour ce petit homme souriant, au visage jaunâtre et à l'allure inhumaine. Vous souvenez-vous de ce que Moïse et Aaron ont dit à Pharaon ? Laissez mon peuple partir. Il sourit. Imaginons que je suis le Pharaon et que vous êtes Moïse et Aaron réunis. Me demandez-vous de laisser tous ces gens partir ? Ou plaidez-vous uniquement la cause de votre mari ? Il ne vous sert à rien, répondit Hilary. Je suis sûr que vous vous en rendez compte. Peut-être. J'espérais que vous pourriez lui rendre son génie créatif. Mais votre venue a eu très peu d'effets positifs. Certains oiseaux ne peuvent pas chanter en captivité, fit-elle remarquer. Rayez-le de votre liste. Laissez-le retourner au monde extérieur. Vous pourriez lui faire jurer de garder le secret. Mais il ne tiendrait pas sa parole.
Aristides s'adossa à son siège, à moins qu'il ne laisse un otage derrière lui. Qu'en pensez-vous ? Hilary détourna le regard. S'il y avait une chance pour que Thomas Betterton soit libéré, cela ne serait-il pas la meilleure façon de remplir sa mission ? J'accepterai, dit-elle. Vous êtes courageuse, madame, et vous êtes loyale et dévouée. Nous en reparlerons. Il sourit. Cela m'a plu de pouvoir vous confier mes objectifs et mes aspirations. C'était intéressant de voir l'effet produit sur un esprit comme le vôtre, équilibré, sain et intelligent. Vous êtes horrifié. Cependant, je pense que vous choquez de cette façon et sage. Au début, vous rejetez l'idée, puis vous y réfléchirez. Et finalement, cela vous semblera naturel, comme si cela avait toujours existé. Jamais de la vie, s'écria Hilary. Il se leva. Madame, votre compagnie a été très rafraîchissante pour moi. Nous nous reverrons. Laissez-moi partir. Hilary tendit la main vers lui, s'il vous plaît. Il secoua la tête lentement. L'expression de son visage était indulgente, mais reflétait un soupçon d'amusement. Le bel oiseau roux s'adaptera à sa cage, j'en suis sûr. Vous serez très heureuse. Leblanc regarda Jessop. Nous avons reçu un message, dit-il. Un de nos pilotes de reconnaissance opérant au-dessus du Haut Atlas a repéré un signal lumineux. C'était en morse et il a été répété deux fois. Tenez. Il étala sur la table un papier où se trouvait une rangée de lettres qu'il commença à séparer à l'aide d'un stylo tout en marmonnant. SL est un code pour n'accusez pas réception. Et COG, c'est notre signal de reconnaissance lorsque nous adressons un message. Les lettres restantes forment le mot « léproserie ».« Léproserie ?» s'étonna Jessop. Leblanc poursuivit d'un air songeur. « Je crois me rappeler qu'il y a un célèbre centre de recherche dans cette région où ils font un travail remarquable sur l'étude de la lèpre et où se trouve une colonie de lépreux d'environ 200 personnes. Mais c'est un établissement très réputé, soutenu par le président de la République en personne. « Beau travail !» fit Jessop d'un air appréciateur. « Il n'y a pas meilleur camouflage pour une affaire louche qu'une atmosphère hautement respectable. »« Il pourrait s'agir d'un lieu de passage pour les voyageurs, » ajouta Leblanc d'un air incertain. Jessop secoua la tête. « Je crois au contraire que c'est là que le voyage s'arrête. » Une colonie de lépreux, quoi de mieux ? Il pourrait se passer n'importe quoi derrière les portes de ce bâtiment. Qui en est le propriétaire ? Une petite minute, répondit Leblanc. Il a été établi par un groupe de philanthropes dont le chef se prénomme Aristides. Jessop sourit. Et Aristides se trouvait à Fès au même moment qu'Olive Betterton. Aristides ? Mais c'est colossal. Eh oui. C'est fantastique, plutôt. Enfin, c'est formidable, absolument. Leblanc, tout excité, agita son index devant Jessop. Cet Aristides, il a un pied partout. Les banques, le gouvernement, les industries, les armements, les transports. Mais on ne le voit jamais. Il reste dans son château, gribouille quelques mots sur un morceau de papier et quelques jours plus tard, un banquier à Paris se fait sauter la cervelle. Fascinant. Ce que vous pouvez être dramatique, Leblanc. Ce n'est vraiment pas surprenant. Les présidents et les ministres font des discours importants, mais personne n'est jamais surpris de découvrir que le véritable pouvoir se trouve entre les mains d'un petit bonhomme rabougri. Si nous avions eu un peu de bon sens, nous aurions pensé à ça dès le départ. Toute cette affaire n'était qu'une vaste opération commerciale. Cela n'avait absolument rien à voir avec la politique. La question est, qu'allons-nous faire à ce sujet ? Le visage de Leblanc s'assombrit. Ça ne va pas être facile. Si nous nous trompons, je n'ose même pas y penser. Même si nous avons raison, nous devons le prouver. Non, ça ne va pas être facile. Mais, dit-il en agitant son gros index, il faut aller jusqu'au bout. Les voitures arrivèrent en trombe
et s'arrêtèrent devant les grilles immenses. À l'intérieur se trouvait un ministre français, l'ambassadeur américain, le consul anglais, un membre du Parlement et le chef de la police. Il y avait également deux membres de la nouvelle commission royale d'Angleterre, deux journalistes renommés et d'autres personnes inconnues du grand public, mais suffisamment influentes dans leur domaine, à savoir Jessop et Leblanc. « Espérons, murmura le ministre avec appréhension, que nous éviterons tout contact avec les malades. » Un de ses collaborateurs tenta de l'apaiser. « Monsieur le ministre, toutes les précautions nécessaires ont été prises. On inspecte uniquement à distance. » Les illustres visiteurs furent accueillis par le directeur, le sous-directeur, deux médecins renommés et un chimiste. « Et ce cher Aristides, demanda le ministre, j'espère que nous aurons la possibilité de nous entretenir avec lui. »« Oui, il est arrivé d'Espagne hier, l'informa le directeur. » Dans le salon moderne, confortablement meublé, Aristides attendait ses invités. Il y eut bon nombre de courbettes, de compliments et de présentations. Les apéritifs furent servis par des domestiques noirs vêtus de blanc et de turbans. « C'est un bel endroit que vous avez là, monsieur, » commenta un journaliste. « J'en suis très fier, » répondit Aristides. « C'est mon champ du cygne, mon cadeau ultime à l'humanité, et je suis prêt à y investir jusqu'au dernier sou. Dieu s'est montré très généreux envers moi. » Une fois les apéritifs avalés, le groupe fut prié de commencer son inspection. Celle-ci dura 2 heures. Le ministre, émerveillé par les laboratoires rutilants, les couloirs sans fin et les multitudes de détails scientifiques, fut néanmoins heureux que la visite touchât sa fin. Les autres posèrent des questions plus poussées et le docteur Van Heidem fut bien trop heureux de pouvoir montrer aux invités tout ce qu'il y avait à voir. Tandis qu'ils retournaient dans le salon, Leblanc et Jessop se mirent à la fin du groupe et Jessop sortit sa montre pour noter l'heure qu'il était. « Ici, il n'y a rien, » murmura Leblanc avec agitation. « Mon cher, si nous avons fait fausse route, quelle catastrophe! Ça en sera fini de ma carrière. »« Nous ne sommes pas encore battus, » répondit Jessop. « Nos amis sont ici, j'en suis sûr. Pour ces visites officielles, tout est préparé et arrangé. »« Mais alors, comment allons-nous obtenir notre preuve? Sans ça, personne ne bougera. » « Pourquoi souriez-vous ? » demanda soudain Leblanc en regardant Jessop d'un air suspicieux. « À propos de ce détecteur très sensible de radioactivité qui me dit que nos amis sont ici. Cet endroit a été intentionnellement construit de manière trompeuse. Nous n'avons pas tout vu. Et vous déduisez tout ça à cause d'une quelconque indication de votre appareil ? » ?»« Exactement. S'agit-il du même genre de signe qu'avec les perles ? » ?»« Oui. » répondit Jessop, « mais ceux-ci sont plus subtils que les perles d'un collier ou une touche de peinture phosphorescente. » « Mon Dieu, Jessop, est-ce suffisant ?»« Ça le serait, mais je doute que ces gens voudront nous croire. Ce sont des hommes prudents, ils sont redevables envers Aristides et ils seront durs à convaincre. Non, je mise sur toute autre chose. Et sur quoi, mon ami ?» Jessop esquissait un large sourire. « La presse. » Les journalistes raffolent de ce genre de scoop. J'ai aussi foi en ce vieil homme sourd et infirme. C'est un ancien Lord Chief Justice et son esprit est plus affûté que jamais. La vérité l'intéresse par-dessus tout. Il écoutera ce que nous avons à lui dire. De retour dans le salon, le thé et les apéritifs furent servis. Le ministre félicita Aristides, puis ajouta d'une voix légèrement nerveuse « Messieurs, l'heure est venue pour nous de quitter notre charmante hôte. Nous avons vu tout ce qu'il y avait à voir. » Sa voix traîna sur ces derniers mots d'un ton significatif. « Tout est magnifique ici et nous le félicitons. À présent, faisons-lui nos adieux et partons. » Ces paroles sonnaient comme une supplication. Ce que le ministre voulait dire était la chose suivante. « Vous n'avez rien vu de suspect. Nous pouvons donc partir, la conscience tranquille. » Mais au milieu de ce silence,
la voix calme de M. Jessop s'éleva. Avec votre permission, monsieur, j'aimerais demander une faveur à notre hôte bienveillant. Jessop se tourna vers le docteur Van Heyden. Un de mes vieux amis est ici et j'aimerais m'entretenir avec lui avant de partir. En réalité, ils sont deux. Olive Betterton et son mari, Tom Betterton. Le docteur Van Heyden eut une réaction de circonstance. Il écarquilla les yeux et fit mine d'être surpris. « Betterton ?» s'étonna-t-il en fronçant les sourcils. « Je crains de n'avoir personne de ce nom ici. »« Il y a également un Américain, » poursuivit Jessop, « Andrew Peters, un chimiste, il me semble. » Il se tourna avec déférence vers l'ambassadeur américain. « J'ai raison, monsieur, n'est-ce pas ?» L'ambassadeur était un homme de caractère doué d'une capacité diplomatique évidente. Son regard bleu vif croisa celui de Jessop. Il prit une minute pour réfléchir. « Voyons... oui, » répondit-il, « Andrew Peters. J'aimerais le voir. » L'étonnement poli de Van Heyden s'amplifia. Jessop jeta un rapide coup d'œil à Aristides, mais le visage jaunâtre du petit homme ne trahissait aucune inquiétude. Il semblait totalement indifférent à ce qui se passait. « Andrew Peters, » dit Van Heyden, « je crains, Votre Excellence, que l'on ne vous ait mal informé. »« Vous avez déjà entendu le nom de Thomas Betterton, pas vrai ?» intervint Jessop. L'espace d'une seconde, Van Heyden hésita et l'un des journalistes prit rapidement la parole. « Tom Betterton ?» On parle de lui dans tous les journaux, il a fait les gros titres partout en Europe. La police le recherche. Vous voulez dire qu'il est ici ? Mais non, s'empressa de répondre Van Heyden sèchement. On vous a mal informé. Vous avez vu tous nos employés, tout ce qu'il y avait à voir. Pas tout à fait, poursuivit Jessop calmement. Il y a également un homme prénommé Erickson, ainsi que le docteur Louis Baron, et probablement Mrs. Calvin Baker. « Ah !» s'exclama le docteur Van Heyden, comme s'il venait d'avoir une illumination. « Mais ces gens ont été tués au Maroc dans un accident d'avion. » Il secoua la tête et poursuivit. « Je ne comprends pas, monsieur. Pourquoi supposez-vous que ces gens se trouvent ici ?»« Alors ce n'est pas le cas. Comment cela serait-il possible puisqu'ils ont tous été tués ? Les corps ont été retrouvés, il me semble. » Les corps étaient bien trop carbonisés pour pouvoir être identifiés, annonça Jessop. Dois-je en conclure qu'il n'y a eu aucune identification précise ? Demanda une petite voix. Lord Alverstock se pencha en avant, tendant l'oreille. C'est exact, répondit Jessop, et je crois que ces gens ont survécu à cet accident. Je devrais plutôt dire que j'ai la preuve de leur survie. La preuve ? Demanda Lord Alverstock. Mrs. Betterton portait un collier de fausses perles le jour où elle a quitté Fès pour Marrakech, expliqua Jessop. L'une d'elles a été retrouvée à un demi-mile de l'endroit où l'avion a brûlé. Comment pouvez-vous affirmer positivement que cette perle provient bien du collier de Mrs. Betterton ? Parce que ces perles avaient une marque invisible à l'œil nu, mais reconnaissable à travers une loupe au verre épais. Je les ai marquées en présence de mon collègue, M. Leblanc, car j'avais des raisons de croire que Mrs. Betterton me conduirait à son mari, Thomas Betterton, contre qui un mandat d'arrêt a été déposé. Deux nouvelles perles ont été découvertes après ça. Les enquêtes menées sur place ont conduit à la description de six personnes ressemblant approximativement à celles censées avoir péri dans l'accident d'avion. L'un des passagers avait également sur lui un gant imprégné d'une peinture phosphorescente. Cette marque a été retrouvée sur une voiture ayant transporté ces personnes durant une partie du trajet qui les a menées dans cet endroit. Monsieur Aristides s'agita. Il cligna des yeux plusieurs fois et prit la parole. « Je ne vois vraiment pas ce qui vous fait croire que ces gens sont ici. J'ai de très bonnes raisons, monsieur. Un signal a été repéré par nos avions de recherche. Il ne fait aucun doute que l'on a essayé de vous tromper, »
répondit M. Aristides. « Ces gens ne sont pas ici. Libre à vous de fouiller l'endroit si cela vous chante. Je doute qu'une fouille superficielle me permettrait de trouver quoi que ce soit, dit Jessop, bien que je suis conscient de l'endroit où la fouille devrait commencer. Vraiment ? Et où cela ? Dans le quatrième couloir, en partant du deuxième laboratoire, en tournant sur la gauche au bout du passage. Le docteur Van Heyden eut un geste brusque et deux verres tombèrent sur le sol. Jessop le regarda en souriant. « Vous voyez, docteur, nous sommes bien informés. »« C'est présomptueux de votre part, » répondit Van Heyden d'un ton sec. « Vous suggérez que nous détenons des gens ici contre leur volonté, et je le nie carrément. » « Il me semble que nous sommes dans une impasse, » commenta le ministre, mal à l'aise. « C'est une théorie intéressante, » intervint M. Aristides calmement. « Vous voudrez bien m'excuser, messieurs, » dit-il en jetant un œil à sa montre, « mais vous devriez partir à présent, la route est longue jusqu'à l'aéroport. » Leblanc et Jessop se rendirent compte qu'ils allaient devoir se montrer plus convaincants s'ils voulaient obtenir des résultats. Aristides défiait ses invités prestigieux de s'opposer à sa volonté. S'ils insistaient, cela voulait dire entrer en conflit avec lui. Le ministre était pressé de capituler, le chef de la police n'avait qu'une envie, faire tout ce qui était agréable au ministre. L'ambassadeur américain était mécontent, mais hésiterait à agir pour des raisons diplomatiques. Quant au consul anglais, il se rangerait du côté des deux autres. Aristides songea au journaliste. Ils n'auraient aucun mal à acheter leur silence, et dans le cas contraire, eh bien, ils trouveraient une solution. En ce qui concernait Jessop et Leblanc, ils savaient, c'était évident, mais seuls, ils ne pouvaient rien faire. Ses yeux croisèrent ceux de Lord Alvestock. Cet individu, ils le savaient, ne se laisserait pas acheter. « Je pense, » intervint l'homme en question, « que nous ne devrions pas précipiter notre départ. » De graves allégations ont été portées. « Vous êtes seul responsable, » répondit Aristides. « Une accusation fort présomptueuse a été faite sans aucune preuve fondée. » « Aucune preuve fondée ?» L'un des domestiques marocains s'avança en vêtements brodés et un turban blanc enroulé autour de son visage noir luisant. En l'entendant parler avec un accent américain, tout le monde se mit à le dévisager. « Aucune preuve fondée, » répéta-t-il. « Vous pouvez prendre mon témoignage ici et tout de suite. » Ces hommes ont nié que Andrew Peters, Torkil Erickson, M. et Mrs. Betterton et le docteur Louis Baron se trouvaient dans cet endroit. Et c'est faux. Ils sont tous ici. » Il fit un pas en direction de l'ambassadeur américain. « Vous aurez sans doute un peu de mal à me reconnaître, monsieur, mais je suis Andrew Peters. » Un léger sifflement s'échappa des lèvres d'Aristides, puis il se réinstalla dans son fauteuil et reprit son expression impassible. « Il y a tout un tas de gens cachés là derrière, » expliqua Peters. « Un système de cloisons amovibles impossible à détecter et tout un réseau de laboratoires ont été installés dans des tunnels creusés dans la pierre. »« Que Dieu ait pitié de moi !» L'ambassadeur regarda d'un air inquisiteur la silhouette africaine et se mit à rire. « Je dois dire que j'ai encore du mal à vous reconnaître. Si vous êtes bien Peters, dites-moi quel est votre matricule au FBI ?» 813 471, monsieur. Et les initiales de votre véritable nom? B.A.P.G., monsieur. L'ambassadeur hocha la tête, puis regarda en direction du ministre. Celui-ci se racla la gorge. Vous prétendez que des gens sont retenus ici contre leur volonté? Certains, oui, votre excellence, et d'autres non. « Dans ce cas, vous avez raison, nous devons prendre des mesures. » Aristides leva la main. « Un moment. Il semblerait que ma confiance ait été grandement abusée. » Son regard glacial passa de Van Heyden au directeur. « Je ne sais pas ce que vous avez fait ici, les accusa-t-il. Moi, je m'intéressais uniquement à la recherche.
Je vous conseille, monsieur le directeur, si cette accusation est fondée, de faire venir ces gens sur le champ. Mais, monsieur, c'est impossible. Ce serait... Le regard calme du financier se posa tour à tour sur ses invités. Je vous assure, messieurs, que si quoi que ce soit d'illégal se passe ici, cela ne me concerne en rien. Tout le monde saisit le message dissimulé dans ses paroles. À cause de sa richesse et de son influence, M. Aristides ne serait pas impliqué dans cette affaire. Cependant, même s'il en sortait indemne, cela demeurait une défaite, ce qui en soi ne le perturberait pas outre mesure. Cela lui était déjà arrivé et il l'avait toujours accepté avec philosophie, se remettant aussitôt à préparer son prochain coup. « Cette affaire ne me concerne plus en rien, » déclara-t-il. Le préfet de police s'avança, prêt à agir. « Ne faites pas entrave à la justice, » ordonna-t-il. Le visage très pâle, Van Heydem lui fit signe de le suivre. « Par ici, s'il vous plaît. » C'est comme si je venais de me réveiller d'un cauchemar, soupira Hilary en étirant les bras au-dessus de sa tête. Tom Betterton et elle étaient assis à la terrasse d'un hôtel à Tanger. Est-ce que tout ceci est vraiment arrivé ? Oui, réellement, répondit Tom Betterton. Et maintenant, c'est terminé. Jessop apparut et vint s'asseoir près d'eux. Peters sera là dans un instant, annonça-t-il. Il avait quelques affaires à régler. Alors c'était l'un de vos hommes, dit Hilary. Et il s'est servi de peinture phosphorescente et d'un étui de cigarette pour détecter le matériel radioactif. Je ne me suis rendu compte de rien. Non, vous avez tous les deux fait preuve d'une très grande discrétion. Bien que strictement parlant, il n'est pas l'un de mes hommes, il travaille pour les États-Unis. C'est ce que vous sous-entendiez en disant que vous espériez que j'aurais de la protection ? Vous pensiez à Andy Peters ? Jessop hocha la tête. J'espère que vous me pardonnerez de ne pas vous avoir offert la fin que vous espériez. Il remarqua l'expression perplexe de Hilary. Je veux dire, une manière plus sport de vous suicider. Elle secoua la tête, incrédule. Cela semble aussi réel que tout le reste. Jessop se leva. Je vous abandonne. Il faut que j'aille m'entretenir avec Leblanc. Venez vous promener sur la terrasse avec moi. Et ensuite, dites que je suis monté dans ma chambre pour m'allonger, lui demanda Tom Betterton, une fois que Jessop se fut éloigné. Je pars tant que tout va bien. Hilary le regarda. Où ça ? N'importe où. Je sais ce qui se passera si je rentre à Gibraltar. Je serai arrêté. Mais comment allez-vous faire pour l'argent et tout le reste ? Il éclata de rire. Tout va bien. En ce qui concerne l'argent, j'en ai déposé dans un endroit sûr. « Alors vous avez bel et bien reçu de l'argent, » dit-elle en soupirant. « Ils vont vous traquer. » « Pas après l'opération de chirurgie esthétique. C'était l'idée depuis le début. S'enfuir d'Angleterre, prendre l'argent, transformer mon apparence et être en sécurité pour le restant de mes jours. » Hilary le regarda, dubitative. « N'est-ce pas mieux de faire face à la réalité ? Quel est l'intérêt de passer le reste de sa vie à être recherché ? Vous ne pouvez pas comprendre. Maintenant, venez, allons-y. » Elle l'accompagna le long de la terrasse, étrangement mal à l'aise. Tom Betterton et elle avaient été proches pendant des semaines et pourtant, ils étaient encore comme des étrangers l'un pour l'autre. Aucun lien d'amitié ne s'était tissé entre eux. Au bout de la terrasse, une petite porte donnait sur une route étroite qui conduisait en bas de la colline vers le port. « Adieu, » dit Betterton. « Bonne chance, » répondit Hilary lentement. Betterton ouvrit la porte, puis fit un pas en arrière. Deux hommes se tenaient devant lui. L'un s'avança et déclara d'un ton solennel, « Thomas Betterton, je vous arrête. »« Je ne suis pas Thomas Betterton, » déclara-t-il en souriant. « Oui, je me fais appeler ainsi, mais je ne suis pas lui. Je l'ai rencontré à Paris et j'ai pris sa place. Demandez à cette femme. »
Elle est venue me rejoindre en prétendant être ma femme et je l'ai reconnue en tant que telle, n'est-ce pas ? Hilary acquiesça. Pour la simple et bonne raison que n'étant pas Thomas Betterton, j'ai présumé qu'elle était sa femme. Ensuite, j'ai dû imaginer une explication pour la satisfaire. Ah, c'est donc pour ça que vous avez fait semblant de me connaître, s'écria Hilary. Betterton éclata de rire avec assurance. Je ne suis pas Betterton. Vous n'avez qu'à regarder n'importe quelle photo de moi et vous verrez que je dis la vérité. Un troisième homme les rejoignit. Vous avez raison en ce qui concerne les photos, dit Andy Peters d'une voix calme et implacable. Mais vous êtes bien Betterton et je peux le prouver. Il le saisit fermement par le bras et lui ôta sa veste. Thomas Betterton a une cicatrice au niveau de son coude droit. Il déchira la chemise. Juste là. Deux techniciens de laboratoire vivant aux États-Unis le confirmeront. Je le sais, car Elsa m'a écrit et m'a parlé de la raison de cette cicatrice. Elsa ? S'étonna Betterton en le dévisageant. Que vient-elle faire dans toute cette histoire ? Demanda-t-il en commençant à trembler. L'officier de police fit un nouveau pas en avant. Thomas Betterton, vous êtes accusé de meurtre au premier degré, le meurtre de votre femme, Elsa Betterton. Croyez-moi, Olive, je suis vraiment désolé. Pour vous, je veux dire. Je voulais lui donner une chance de s'en sortir. Je vous avais dit qu'il serait plus en sécurité en restant à l'unité, mais je devais le faire arrêter, pour ce qu'il avait fait à Elsa. « Je ne comprends rien du tout, s'exclama Hilary. Et qui êtes-vous, au juste ?»« Boris Andrei Pavlov Glidre, le cousin d'Elsa. »« Avant la guerre, on m'a envoyé aux États-Unis pour terminer ma scolarité. »« J'ai pris la nationalité américaine et le nom d'Andy Peters. »« Lorsque la guerre a éclaté, mon oncle et Elsa ont quitté la Pologne pour rejoindre les États-Unis eux aussi. » Elsa était une scientifique brillante. C'est elle qui a découvert la fission Z2. Betterton n'était qu'un jeune Canadien travaillant comme assistant de laboratoire au service de mon oncle. Il n'était pas plus doué que la normale. Il a épousé Elsa uniquement pour être associé à son travail. Lorsqu'il s'est rendu compte de l'importance de la fission Z2, il l'a délibérément empoisonnée. Peters prit une profonde inspiration avant de poursuivre. Betterton est apparu dévasté, se jetant à corps perdu dans le travail et a annoncé au bout de quelque temps que la découverte de la fission Z2 était son œuvre. Cela lui a apporté la célébrité et la reconnaissance en tant que grand scientifique. Il a alors trouvé plus prudent de quitter les États-Unis pour venir s'installer à Howell. J'avais des obligations en Europe après la guerre, mais une lettre que j'ai reçue d'Elsa peu avant sa mort m'inquiétait. Et lorsque je suis rentré aux États-Unis, j'ai découvert suffisamment d'éléments pour faire exhumer le corps. Betterton a été prévenu vraisemblablement par un de ses amis travaillant au bureau du procureur qui séjournait en Europe. J'imagine qu'il avait déjà été approché par les agents de M. Aristides et il a vu là une façon de se sortir du pétrin dans lequel il était. Mais en réalité, il s'est retrouvé réellement emprisonné et en danger, qui plus est, puisqu'il était incapable de délivrer le travail attendu. Et vous l'avez suivi ? Peters hocha la tête. Un de mes amis, un brillant scientifique, avait eu certaines ouvertures de la part de Mrs. Peder. Elle avait également rencontré Betterton. Je lui ai donc fait croire que j'avais des idées politiques de gauche et j'ai exagéré mes aptitudes scientifiques. J'étais persuadé que Betterton était passé de l'autre côté du rideau de fer et j'étais déterminé à le retrouver et à le tuer de mes propres mains, si nécessaire. « Maintenant, je comprends tout, » murmura Hilary. « Je vous ai écrit en vous donnant mon nom polonais lorsque je suis arrivé en Angleterre, » reprit Peters, « et j'en déduis que vous ne m'avez pas cru, puisque vous ne m'avez jamais répondu. » Il haussa les épaules. « Alors je me suis rendu au bureau des services secrets et j'ai fini par m'associer avec Jessop. Ce matin, ma quête vient enfin de prendre fin. L'extradition sera exécutée d'ici peu
Betterton rentrera aux États-Unis et sera jugé. Aucune chance qu'il ne soit acquitté. Les preuves contre lui sont trop accablantes. Il s'interrompit un instant pour admirer les jardins qui donnaient sur la mer, illuminés par les rayons du soleil. « Le pire dans toute cette histoire, dit-il, c'est que je suis tombé amoureux de vous. Mais c'est ainsi. Je viens d'envoyer votre mari à la chaise électrique et vous ne pourrez jamais l'oublier, même si vous réussissez à me pardonner. » Il se leva. « Bien, je tenais à vous raconter toute l'histoire en personne. À présent, l'heure est venue de nous dire au revoir. » Hilary tendit la main vers lui. « Attendez, vous ignorez une chose encore. Je ne suis pas l'épouse de Betterton. Olive Betterton est morte à Casablanca. Jessop m'a persuadé de prendre sa place. » Peters se retourna et la dévisagea. « Vraiment ?»« Oui, je m'appelle Hilary Craven. »« Bon sang » s'exclama-t-il. « Bon sang, Hilary !» Il va falloir que je m'y habitue. À l'autre bout de la terrasse, Jessop était en pleine conversation avec Leblanc. « Vous disiez ?» demanda-t-il d'un air absent. « Je disais, mon cher, que je n'ai pas l'impression que nous allons pouvoir faire quoi que ce soit contre ce vaurien d'Aristides. Non, ces gens-là réussissent toujours à trouver un moyen ou un autre de s'en tirer. Mais il a perdu beaucoup d'argent. » Et ça ne va pas lui faire plaisir. Même, ne désespérons pas, il finira bien d'un jour ou l'autre par devoir rendre des comptes devant la Cour suprême de justice. Que regardez-vous, mon ami ? Nos deux jeunes amis, au loin. J'ai envoyé Hilary Craven faire ce voyage vers une destination inconnue, mais il me semble finalement qu'il ne pouvait pas se terminer autrement.